C'est quoi que tu manges? C'est un reste de hot dog. C'est vraiment un gros porc quoi. Oh, c'est vraiment dégueulasse. Oh. C'est un reste de hot dog froid. Et à côté, il y a une saucisse dedans? Ouais. D'accord. Oh, j'ai vraiment un perso. Le hot dog? Ouais. Est-ce que c'est un truc spécialisé dans le hot dog? Pas vraiment. Est-ce que c'est un truc de Vincennes qui fait à peu près tout, genre pizza, kebab, hot dog? Non, mais non, mais non. C'est un truc. C'est un truc à Paris. J'ai pas vu comment t'as sous-estimé Vincennes et t'as dit juste. Non, non, à mais Paris, c'est en pas. Mode, c'est safe. C'était pas lié à Vincennes, tu me parlais des trucs qui font tout là, c'est de la merde ça. Les kebabs, tacos, mon cul. Non, là. Mec, tu peux être safe hein. Quand un truc propose plein de choses différentes à sa carte, c'est que les aliments sont de très bonne qualité et la kebab, cuisine aussi. Tacos, burger là. J'ai oublié comment faire un couteau là, tu peux m'aider? Bien sûr. Je t'aide dans une seconde. Ah, faut que je trouve des rocks. Voilà, ah, c'est ça. Il te faut des rocks. Il te faut juste des rocks. Il faut faire un stone knife. Et grâce à ce stone knife, on coupe des branches. Et du tissu. C'est ça? Est-ce que j'ai des munitions dans ce fusil? Parce que j'ai encore un perso. Ah, hein. Mais t'as des persos, toi, sale. Non, c'est mon pote, on n'insulte pas. Non. Mais t'as un perso, parce que moi, je suis mort. Ah, je suis à l'endroit. On était venu chercher. Alors attends, moi, je suis en bas à gauche, hein. Je suis en bas de B1. Ah! Merde! Bon, bah, j'avais quoi, des munitions. T'as fait tomber ton hot dog? Non, mais je savais pas que j'avais de munitions et j'ai tiré sans faire exprès. J'en ai. Ça rappelle le sud. T'es en bas à gauche de B1, c'est pas mal ça. Je suis en bas à droite de B1. Tiens, des olives. Mmh, cool, ça man. Vous rappelle pas le sud? On pourrait même. Pourquoi j'ai pas de boussole? Eh? Non, j'avais une boussole avant. Non, ton perso ne. Moi par exemple, mon perso ne me dit pas du tout si je suis au nord, sud, machin. Ce qui est étrange, il me semblait avoir mis moi cette aussi. Faculté là. J'étais sûr de les avoir. Attention, par contre. Je vais m'énerver si je. Ah, non. Parce que Damien. Oui. Si on sait pas, si on va vers le nord, l'est. Ou vers le sud. L'ouest. Bon, là je sais que c'est l'est, parce que c'est la frontière de la map. Mais quand même! Attends, affichage de la boussole là! Non, mais je suis d'accord avec toi, après c'est n'importe quoi! Oh non, les gars! Sans boussole. Non, mais je dois vraiment faire une rope! Tu veux pas faire une rope? Comment on fabrique une rope? Avec un smooth wooden sticks? Et une stone knife? Bah, dans ce cas-là, je devrais être capable non de la fabriquer, c'est trop. Sans boussole, on est mort. C'est vrai en plus, hein. C'est vrai, hein. Parce que. Après, on va se dire, ouais, on va là-bas, et en fait, on saura pas où on va, quoi. Et après, qu'est-ce qui se passe? Bah, après, on meurt. Bah, voilà. On reste à un endroit. On reste à un endroit et on meurt. Bah, c'est ce qui va se passer, hein, je vous le donne en mille. Putain. Y'a un problème avec le truc Comedy Night là. Non, attends, quoi? C'était combien de joueurs par serveur? Peu. Ouais, c'est ça, faudrait faire un roulement permanent de gens. Mais ils étaient bien élevés la dernière fois. Genre, faudrait kicker les gens pour faire des nouvelles places. Oui, une fois qu'ils ont raconté leur histoire. Sachant qu'il y aurait, sur les 10 personnes qui rejoignent, à mon avis, il y en a 9 qui n'ont pas vraiment d'histoire et qui veulent juste rejoindre. Oui. Voilà. Mais non, mais ils sont bien élevés. Moi, je crois en notre commu. Ah ouais? Je dis ça pour essayer de brosser dans un souffle. Sympa de ta part. Moi j'en pense que du mal. Hein. Non, non, c'est pas ça. Mais vu la configuration du projet, je sens les dérives.
Non, mais... Non. Vous allez être... Je vois déjà. Alors. Je vois ce mec qui monte sur scène et qui dit moi j'ai pas d'histoire. Non, mais... La dernière fois, ça s'est bien passé. Ouais, mais ils étaient pas censés avoir des histoires. Pourquoi on avait fait un truc la dernière fois? Attends, Pourquoi le truc était bien? Attends, c'était quoi la dernière? C'était quoi en fait? Bah, on avait fait... Je sais plus ce qu'il faisait. Attends, c'était pas de l'impro, c'était pas des blagues, c'était pas. Non, on sait plus. Je crois juste Non. qu'on a fait venir des gens dans une salle et puis... Si ça devait être C'est un comme truc où il ça fallait qu'est né être le drôle, hein. stand-up. On a créé le stand-up. Hein. La classe! Ah putain, vraiment là? Là vraiment, genre j'ai fait tout ça pour rien. De quoi? Ah, j'ai découpé mes fringues, je sais plus comment on construisait un truc, j'ai découpé des choses et j'ai plus rien. Je suis vraiment le roi des cons, putain. Tub. Fais chier, bordel. Moi je vais vers toi. Ouais, mais ça change rien. Attends. C'est vrai qu'il racontait des histoires. Il y en a qui ont raconté, je crois. Mais j'en suis pas sûr, en fait. Oh, Ça remonte à trop t'es longtemps. là? Quoi? Bah, je t'ai trouvé. Je sais pas pourquoi, je t'ai Comment ça, tu trouvé. m'as trouvé? Bah, je suis à côté de toi. Tu mens là? Ou alors tu stream hack? Non, je t'ai trouvé par hasard, vraiment. Mais c'est vrai qu'il est là, le con? Tiens, pour faire peur aux gens, je te donne ça. Hey! Merci, mais j'ai rien pour le prendre. T'as pas un pantalon ou un truc? Ah si, je peux le prendre dans mes mains, Ouais, c'est déjà bien. voilà, c'est pas mal. J'ai aucun vêtement. Oh, mais qu'il est con ce chat, mais qu'il est con. C'est moi le chat? C'est un zombie ça. Je reconnais. Quoi? Je reconnais, je reconnais. D'accord. C'est un zombie. Ah merde! Je suis parti, hein. C'est pas que j'ai pas envie de l'affronter, Je juste que j'ai pas de l'affronte. courage. Je l'affronte. Putain, c'est pas les zombies de DayZ, hein. Ceux-là, ils te cassent bien les couilles. Le mec qui est là-haut, là, qui veut pas prendre de risques. Ça va Non, en mais bas? tranquille, je regarde. Tout va bien? Ah, j'ai une chemise. Et ben voilà. Eh ben voilà, bah, la vie recommence. Et ben let's go. J'ai quoi? Écoute-moi Mon bien. pistolet, je l'ai plus. Si jamais t'avais, Quoi? dans l'hypothèse, un petit pot avec des oignons frits dedans, est-ce que Des trucs qui tu mangerais croustillent? ça tout seul, oui? Non, non, faut vraiment être un gros porc pour faire ça. Genre, c'est vraiment être le roi des porcs. C'est un truc pour qu'ils aient censé mettre sur un plat, Ah pas à ouais? grignoter. C'est pas un bocal de Haribo. Ah ouais? Je sais pas. Je pose la question. J'entends que ça croustille, je te jure, t'es qu'une merde. Moi? Je sais pas. On n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Non, mais c'est pas normal. Oh, qu'est-ce qui est normal? Qu'est-ce qui est pas normal? Jamais des. Attends, j'ai envie de me faire un couteau. Attends, il va quand même pas réussir à remonter ce con. Non, c'est bon. Qui ça, moi? Ouais. Oh! Ah, ok. Alors, c'est quoi toutes ces merdes Attends, je là? l'ai tué là? Ah oui. Je vais fabriquer un couteau et on est parti. Ah ouais, mais heureusement que je comptais pas sur toi pour me sauver en fait. Ah non, moi je suis occupé. Ah oui, bah j'ai remarqué. Moi je fais un couteau. Alors, je vais La classe. Du coup, je vais ouvrir ce petit pot d'oignons frits. Non, mais non, par contre. Attends. Mais ça se mange pas comme ça. Ça se mange pas comme ça. C'est pas dégueu, hein. Mais ça se mange pas comme ça. C'est comme si tu prenais de la moutarde là et que tu t'en prenais des cuillères pour la mettre dans ta bouche. On y revient, hein. Honnêtement, on y revient. Mais c'est parce que t'as faim, juste. Non.
J'ai pas faim. Bon, je te suis, on sait juste qu'on doit esquiver des bunkers. À moins que le jeu ait été mis à jour, parce qu'ils se sont rendus compte que c'était des cons d'avoir fait une mise à jour qui était remplie de zombies. Je ne pense pas. Bon, je voilà, ne pense pas du là, tout. Je te suis. Ouais, moi, qu'est-ce que j'ai? Oh, bah tiens, des biscuits au chocolat, genre, voilà, un truc qui se mange normalement. Ok, le mec a juste 8 ans. Les vrais hommes, ça mange des oignons. Tu vas péter dans 10 minutes. Je sais pas où on va. Hein. T'as vraiment fait une direction au hasard là? Bah, on a pas de boussole. Non, on va vers la gauche globalement. On va vers l'ouest. Et je vois des petits points rouges peut-être là. À gauche. Bof hein. Peut-être. Voilà, voilà, j'ai plus d'esprit de moi, comment tu fais? Je suis en bonne forme. Ah ouais, bah attends, je me repose. Je t'attends. C'est vraiment prouvé que si on se met sur le dos, on va plus vite en repos? Bah on n'a jamais su, hein. Pourquoi on se chronométrait pas? Non mais c'est vrai. Ok, prochaine fois on le fait. On attend d'être tous les deux à 0% et il y en a un qui s'allonge, l'autre qui reste normal sans bouger, et on voit qui va le plus vite. Et on aura le savoir, la connaissance. C'est pas une mauvaise idée. C'est bon. Genre là, t'es à combien de pourcents? Je suis à 57. Ah ouais. Bah, j'ai pas fait la pause. Un peu marché, j'ai trollé. Où est-ce qu'on va là? Ouais, ouais, allons toi, par tu là. T'allongeras sur le dos et moi je me reposerai sans bouger juste. Et on verra. D'accord. Oui, c'est un live aussi où on apprend plein de choses, hein. Que ce soit sur Gold Rush ou Scum. Là, je suis en train de manger de la vieille salade toute mouillée qui est restée merde. Au frigo et à côté du hot dog et de la patate là. Oh la vache. Ouais, c'est bon parce qu'il reste un peu de vinaigrette. T'es vraiment El Porcino. Elle a plus sa texture d'antan, mais elle a gardé tout son goût. Je suis à 1% là. Attends, continue, je suis en train de m'épuiser là. Je suis à 10%. Putain, je suis à 2%, mais j'arrive pas à être à 1%. 3%. 2%. Ok, bah, je suis à 2%. Ok, 2. Okay. 3. Ok, moi je. 2. Attends. Donc moi je m'allonge normal, toi tu fais la technique de s'allonger sur le dos. T'es okay. Prêt? Je suis à 1%, t'es à combien? Vas-y. Je suis à 1%. Ok, 3, 2, 1, go. Ah, ça marche pas. Non, toi mets-toi sur le dos. Putain, ça prend un temps fou. Moi je suis déjà ah bah, comme 17, ça, tu vois, je suis déjà à 10, 20% là. Dors. Parle pas là. Tu dors pas vraiment là, putain. Moi je dors bien là. 92, 93, 91, 100. Ok, bah je suis à 60. Et là, ah ouais. Si je passe en mode repos sur le dos. Ah ouais, ça. Y a pas photo, mec. Y a pas photo y a pas ici photo. Ah, okay. Ah ouais. Quoi, rip? Genre, je vais mourir parce que j'ai bouffé de la salade. Bah, c'est bien un truc à pas faire dans le monde. Vaut mieux manger une galette de boue séchée que de la salade mouillée dans son frigo. Hein. Ah, ça va. Ah, vous abusez. C'est pour ça que je dis ça. Elle est restée depuis ce midi dans sa sauce, quoi. Ouais, ça va. Sauf que ça faisait quand même une semaine et demie qu'elle était dans le frigo. Mais non. Si. Mais pas du tout, hein. Tu sais que les feuilles de salade, c'est vert, normalement pas brun. Hein. Ah, donc c'est là que je voulais venir. Bah cool. Pas de sac à dos, je peux pas m'occuper de la grosse.
Hey, la grosse! Oh putain, elle a pas kiffé. Elle en a rien à foutre de tes coups de. Allez là, j'ai percé ton gras maintenant. Ah voilà. Y'a le gras qui fuit là, hein. Elle a fui la cochonne. Ok. Ok, another zombie. Ah, j'arrive. Mais qu'est-ce que ça fout là? Y'a des munitions pour toi, y'a des munitions de .22. Ah bah moi il me faut du calibre 12, tu vois. Bah regarde le 22 quand même. Attends, c'est peut-être pareil. Bah non. Si, si. Le 22 c'est pas le 12. Il est où ton... Dans l'armoire. Ah oui non, je pensais pas à ça effectivement. Point 22, je le prends, je sais pas à quoi ça sert. Je peux pas mettre les... Mais j'ai l'impression que mec, nos points se sont déréglés en fait. Parce que je récupère largement plus vite que notre dernière partie, par contre mec, j'ai pas de boussole. Mec. Quoi? Regarde ce que j'ai trouvé dans la pièce d'à côté. Regarde mon dos. Oh wow. Tu seras notre mule. La vache. Énorme. Ah oh ouais. Eh, tu sais ce que je me dis, non. À mon avis, on a rejoint un serveur qui est pas trop looté, on va se mettre pas mal. C'est pas. Là c'est vraiment une chance inouïe de devoir récupérer ça. Tiens regarde pour toi, je te l'ai par terre. Là. Oh, party glasses. J'ai l'air c'est, trop con. Tu seras comme LMFAO. Uh-huh. Ah. Attends, du coup mon flingue, je peux le mettre là-dedans. On est à... entre Turange et Spicovina. Maintenant, tu ranges ta chambre. Ta chambre. Vous l'aviez pas celle-là, non? Alors, les cons. Les cons. C'est qui le plus drôle maintenant? Hmm. Casse-toi, la grosse. Allez hop. La M4. Il à toi, je la le garde quand même. La M4. Quoi la... Non, tu te fous de ma gueule. À 22h20, vous faites une blague à Link sur le fait qu'il y a une M4. Ah oui, d'accord, c'est une vanne. Bon. Ça doit être une grosse vanne. Une, ça doit être, si je puis dire, une énorme vanne, à mon avis. Vous êtes en pardon, train de mais me là, faire... on se marre là, on se marre là, non? Je pense putain. Que là, on est sur un truc de fou furieux. Ça va en plus, être clippé. C'est à peine abusé, la M4 quoi. Genre la M4. Ça va clipper de ouf là. Et là, on va passer chez Popcorn, hein. C'est dans le best-of. Hein. C'est, à mon avis, c'est trop drôle pour passer inaperçu ça. Et nos deux amis se sont fait encore une fois avoir. Par leur chat de merde là, les connards. Non, mais la M4, vous avez ah, une hache. Je veux un truc plus crédible. Tu veux une belle hache? J'ai une pelle. Oh, n'en dis pas plus, hein. Je la prends. Oh, non, garde la hache. Ça me fait plaisir. Nice. C'est comme si je te l'avais offerte. Ouais, c'est vraiment, je l'avais, mais. Ah oh, putain, il est trop sympa, il me l'a laissé quoi. Bah, tu veux peut-être une fourche à la place de ta pelle, c'est quand même plus sympa. Non, mais c'est mec, c'est. Beaucoup moins bien. C'est pour percer le gras. Ça a trop bien marché tout à l'heure. Mais ma pelle, elle a one shot un zombie tout à l'heure. Mmh. Une loupe, tu veux une loupe? Non. On s'en sert parfois pour allumer un feu. C'est une anecdote du jeu ou tu me dis... C'est une anecdote du jeu. Ah, il s'est bien gardé de me dire qu'il y avait de multiples zombies. Ah, je vais pas tarder à mourir, hein, c'est... Je sais pourquoi il m'a dit de garder la hache. C'est pour que ce soit moi qui me tape tous les putains de zombies, en fait. Et là, du coup, ça y est, là, c'est bon. Je suis... Non, j'ai une pelle. Je suis à 38% de vie et je saigne. Voilà, j'ai compris sa manip. Bah, mets-toi un bandage. Si quelqu'un a le clip de la M4, c'est vrai. Mais. Non, mais maintenant, mec. En fait, le problème, c'est que les modos peuvent être dans le coup. Parce que vous nous avez ah fait oui, le coup bah, avec la fanfiction. Le... Ouais, et surtout, le modo en question. Baiser. Je veux pas être méchant, le modo en question, c'est qui d'après toi? C'est une pute? Je pense que tu le considères tel quel. Sizer. Sizer. Donc je ne le crois pas. Bah voilà. Voilà. Non, mais non, c'est sûr et certain. Je n'en crois pas un putain de mot. Et t'as bien raison. Parce que à mon avis, c'est prank sur prank avec celui-là. Si vous voulez mon avis. Ce joyeux luron là. Non mais ce serait pas la première fois qu'il nous fait le coup, donc excusez-nous. Ouais.
Non mais vous auriez dit un truc plus crédible. Sac à dos, Ouais, là vous abusez un petit peu. conserve, Vous allez trop loin en la fait. M4, la M4, les gars, dans une grange. Vous allez trop loin. Ça va, oui? Soyez réaliste dans vos blagues. Bande Arrêtez de fils de. Petite escalade de la violence. Y a rien dans les poulaillers, genre, même pas des petits œufs. Putain, là Ok. où vous cassez les couilles, c'est que je suis quand même en train de vérifier, vous m'avez saoulé, c'est bon. T'es con, t'es trop Ouais, con. je sais, mais putain, ils m'ont fait chier là. Non, c'est vrai, la M4, c'est juste qu'on la voyait mal. Une M4 dans une En fait, grange, wake up. le problème, c'est que là où vous êtes nul dans votre blague, c'est que vous donnez aucun endroit Ouais, avec vous auriez votre. tous balancé l'endroit en spammant, genre. Ouais, et maintenant, voilà, ça va spammer. Eh, dans la Et là, fourmilière, vous mais dites juste dans. une M4, mais. Mais vous êtes Coluche ou quoi là? Vous prenez pour qui? Des humoristes? Aïe, 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 aïe. Putain, on n'est pas sorti de l'auberge avec vous. Bon, quand j'avais one shot le truc avec ma pelle, je pense que c'était du bullshit. Parce que là, je suis en train d'affronter une Ah. dame en surpoids et j'arrive pas à la tuer. Et là, c'est là où vous faites niquer. Vous dites l'étage, alors qu'il n'y avait pas d'étage au moment où vous m'avez dit ça. Et là, les autres, ce que je suis en train de dire, mais vous êtes trop cons parce qu'ils ont raté leur prank à cause de ceux qui la gagent justement. Parce qu'il y en a qui disent devant la maison, y en a qui disent l'étage. Donc, à ce moment-là, on comprend en fait, on sait déjà que vous dites de la merde. Incohérence dans les propos, on sait que c'est faux. Attends, t'es sous mes pieds là? J'ai 27% de vie, si je reprends un coup par un zombie, je suis mort. Les zombies sont vraiment un problème, hein. Aïe! Oh putain! Ma vie! Mais c'est On a. encore des mecs en surpoids, mais ils mangent bien dans ce village, hein! Je saigne. Le bas peuple, les pires zombies. Je saigne et j'ai pas de truc pour. Vite, un bandage par pitié, Link. J'en ai Je peux un, pas. j'arrive. Je peux pas couper de vêtements parce que j'ai rien pour les couper. Putain, s'il avait pas gardé, ouais, s'il avait pris autre chose qu'une putain de pelle. Quoi? Bah t'es où? T'es caché dans ta maison là? Oui, des zombies dehors. Tiens. Mais attends, mais ton personnage des fois s'envole. Chez moi, tu voles là. Mais Ah qu'est-ce ouais que tu mais là fais? le gros zombie il va nous niquer là. Ouais, bah c'est pas grave si on est à l'abri. Non, non, mais non, ça sort pas! Je voulais voir s'il était intelligent, il l'est. Pas de faune, ça. Non! Mais non, mais du coup. Ah bah non, mais. Alors moi, je me pâche mon wound, ça. Je suis mort. Ah, mais je vais mourir aussi, du coup! Pourquoi tu fais ça? Mais parce que je pensais que je pouvais re-rentrer, Mais mais j'ai ça pas servait réussi. à quoi de faire ça? J'ai pas réussi à refermer la porte. C'est bon, j'ai réussi à. 27% de vie, hein. Ils sont trop puissants les putains de zombies là. T'as des points au moins pour être dans la zone là. Ouais. Mais j'ai pas de boussole donc je sais pas où je vais. Ouais, Christophe Colomb il a fait pareil, il a découvert l'Amérique. Je sais pas où je vais, bordel. C'est pas une excuse. Putain, je vais être obligé de T'avais du voir. stuff toi sinon? Non mais casse-toi, par contre, tu touches à rien. Tu touches à rien du tout, vraiment, alors là. Pas mal. Ah ouais, t'avais encore un improvisé de backpack. Pas terrible. Merde, on est sur un serveur allemand. Fais comme si t'étais Ah allemand. merde. Faut qu'on ait une phrase en allemand à dire, sinon ouais, on est mort. Guten Tag. Ça s'arrête là, ma culture en allemand. Einweindrei. Je vais juste dire ça. Polizia. Hartung. Oh, Link! Quoi? Y a un hiking backpack dans le sol. Je le mets par terre. Oh, c'est bon ça. Un énorme backpack! C'est très bon ça. Énorme! Dans l'armoire, comme ça? Ça c'est Dans la énorme. même maison dans laquelle t'étais, là? Ça c'est très très bon, putain. Bon, je vais manger des cheese. C'est quoi? Bah, c'est fini. Y'en a plus. Papa.
Quoi? C'est en bon état ça, pourquoi ça veut me le remplacer? Comment je vais faire pour m'occuper du zombie qui est dehors par contre? Vous avez qu'à sub à la chaîne, je vais te dire des conneries en allemand là. C'est le train de la hype. Vous êtes complètement irresponsable. A... Comme un cheveu sur la soupe, il a sorti ça. Il y a un temps pour s'amuser en allemand, il y a un temps pour sub. Je me disais, c'était Bibix qui avait mis ça sur Twitter, c'est pas con. Pourquoi les trains de la hype, ils ont pas mis en récompense à la fin quelques subs offerts? Plutôt parce que que des ça émotes. coûterait de l'argent Mais ça coûte pas à grand chose, Twitch. puisque le train de la hype, il y a forcément eu beaucoup de subs. Tu peux en Ouais, je sais, reverser quelques-uns. mais... Tu vois, je trouve. Mais comment tu crois que Jeff Bezos gagne une fortune pareille s'il commence Donc, à c'est offrir ça ce la truc? philosophie de Jeff Bezos? C'est dégueulasse. Genre, en vrai, c'est logique, j'ai jamais pensé, mais c'est logique. C'est Jeff Zéro, ouais. Ouais, Jeff Zéro Ah, va. allez, oh. Ah, oh, c'est honteux. Heureusement, j'ai trouvé une courgette. Mais effectivement, oui. Parce qu'en fait, le train de la hype, certes. En fait, c'est que la récompense du train de la hype est naze. Ben ouais, genre, en vrai, c'est bon, il y a eu, tu vois, tu le règles à différentes difficultés. Donc en fonction de la difficulté et en fonction de comment il a été suivi, tu règles la récompense. C'est-à-dire, il y a eu 10 subs, t'en redonnes un. Mais ce... oui, non, 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 ce serait injuste. Parce que dans ce cas-là, un petit streamer aurait forcément beaucoup plus de facilité à atteindre un niveau de sub offert qu'un énorme streamer. Eh bien tant pis pour lui! Il a une vie de merde! Tant pis pour lui! Il y a une grosse Ou alors communauté, il y a eu... c'est un Oh truc j'ai... en pourcentage. Par contre, me fais pas chier, j'ai trouvé un shuriken. Je Pas suis mal. Naruto. Je savais même pas qu'il y en avait. Ça veut dire que tu peux le lancer du coup. Bah alors là, je l'ai dans la main, j'arrive pas à le lancer par exemple. Mais ton cadavre, dépêche-toi, parce qu'il faut que... Combien de temps il despawn? Attends, je mange. J'ai trouvé Mais des oignons, des tomates, de la courgette. Ce Non serait mais... dommage de... Oh là! Ouais, les messages d'admin, c'est souvent des restarts, j'ai pas envie de... Non, non, là c'est un message qui dit qu'il y a une girafe. J'ai pas compris le reste. Oh putain, par contre, j'allais dans quelle direction? Oh la merde! Je suivais une route. Où est la route? J'ai besoin d'amour. Des câlins, des bisous, j'en veux tous les jours. Je suis comme ça. Elle devient quoi, Laurie? Elle est... Je crois qu'elle est dans une entreprise de bâtiment. Trouve travailler à la NPE maintenant. Je sais pas. Franchement. Ça peut être n'importe quoi. Putain, hier il y avait une émission à la télé qui était sur les boys band, je sais pas quoi, et j'ai pas pu regarder parce que j'ai juste vu ça à la télé, j'ai dû partir. Et ils parlaient de combien ils avaient gagné à l'époque. Et je me suis toujours demandé ça. Du coup, je Et sais pas. alors? Bah, je sais pas, j'ai pas la réponse du coup. Oh, tu fais chier! Bah ouais, ça m'emmerde parce que tu sais, je me suis toujours dit, en même temps à l'époque, c'est peut-être qu'ils gagnaient rien, ils se sont fait baiser, ou peut-être qu'ils ont gagné masse de thunes, j'en sais rien. Non, je Je pense que... penche Ah! plutôt pour Ah eux, si si! ils ont pas gagné grand-chose, mais Ils se sont fait douiller, c'est la télé-réalité de l'époque. Tu m'as fait vraiment peur, hein. Pourquoi je suis tout nu comme ça? Je Qui sais m'a pas, fait c'est ça? zombie, il t'a désapé! J'ai bien été désapé quand même. Saloperie zombie, mais je l'ai tué, t'inquiète pas, je me suis vengé. Hop. Non, redonne-moi la hache Tiens. du coup là, je pose l'appel. Non, je peux pas. Non, Parce non, que redonne. regarde, toi t'as un truc pour couper, moi j'ai rien. Mais je m'en branle, je te donne le truc pour couper et je prends Merde, j'ai un truc pour couper en plus. l'hache. T'es un ouf, le voleur. Mais je t'ai donné un backpack? Tu l'as trouvé, Gigantesque! tu l'as trouvé. J'aurais pu le garder pour moi. Je pouvais le mettre dans mon sac à moi. T'es vraiment un ouf, putain. T'es Bah un quoi, sac de malade. rechange? Le mec est un ouf. Genre vraiment, c'est hallucinant. Sac de rechange.
T'es un malade, genre c'est insane. Tu prends pas ton caleçon? Ah, tu peux le prendre si tu veux. Regarde le zombie dehors. Ouais, je l'entends ce con là, qu'est-ce qu'il veut? Non, tu peux pas l'entendre. Ah si, je l'entends. Non, là. Ça, je peux te l'assurer. Regarde. Ah oui, c'est lui qui m'a tué? Oui, c'est lui, il t'a désapé, donc je me suis vengé. Bien joué. Je l'ai désapé de partout. Bien joué ça. J'ai tout pris, je pense que j'ai tout pris. Ah, les chaussons quand même. Bonne journée. On peut se remettre en route, écoute. On peut se barrer, allez. Tiens, attends, je mange du bread. Bah déjà, la session est déjà bien bien meilleure que la dernière fois, puisqu'on a des sacs à dos. Incroyable. Ouais. Ça n'a rien à voir. Ça change vraiment pas mal de choses. Parce qu'on peut aller looter sereinement les bâtiments, sans se dire ça sert à rien. Donc, très bien. Je pense qu'on peut aller soit au sud, en A1, là où il y a l'air d'avoir une espèce de grosse... ou une grosse... une ville, peut-être. Oh putain de merde! Ah, mais qu'est-ce que t'as bouffé, gros dégueulasse! Du pain moisi! Soit on va en B1, là où il y a beaucoup de trucs. Ah, il y a un espèce d'airfield aussi en haut à gauche de B1, là. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Attends, parce que je viens de vomir, donc un petit coup de flotte. Voilà. T'as raison, je vais boire un peu d'eau. On n'est jamais trop prudent. Du coup, tu veux quoi? Airfield, la ville qui est juste à droite de cet airfield, ou ce qui ressemble à une ville là au sud? Un truc qui ressemble à un airfield, car... Airfield égale. Égale loot. Exactement. Et hélicoptère, puisque dans Scum, tout le monde sait qu'il y a plein d'hélicoptères. Et pense à vérifier les garages. C'est là qu'on trouve les véhicules. Ouais. Et d'ailleurs, avant d'y aller, on va prier devant le Seigneur. L'un qui l'a dessein. Oui, mais ne dites pas ça, le Vex. Quoi? Hop, le brocoli là. Tu l'avais pas vu celui-là? Bah, je l'ai pris. Tu veux vraiment voler devant le Seigneur? Pardon. Je redonne au Seigneur. Attends. Nous prions pour que cette session de Scum se passe bien. Je vais redonner le brocoli. Nous avons encore foi dans le jeu. Il a posé son brocoli, ce con. Non, allez, merci par contre, Seigneur. Je te pute, alors là, tu me redonnes mon brocoli. Je redonne, tire pas. Fais pas des conneries, je sais que tu es capable de tirer sur ton pote pour un brocoli. Donc, J'ai eu des témoignages d'un mec qui a survécu au siège de Sarajevo, où du coup il devait survivre dans la ville avec des maigres ressources qu'il y avait et tout parce qu'il pouvait rien faire. Et ils en étaient arrivés à des trucs catastrophiques, mec. Pour une boîte de haricots, ça se tirait dessus. Hein. Donc mon brocoli, je te ferais dire que legit, si je te mets une balle dans la tête. Devant le Seigneur? Complètement malade. Le mec il dit ça aux nazis. Vous allez me tuer là devant le Seigneur? Vous allez le faire devant le Seigneur? Vraiment, vraiment. Moi je veux bien que vous le fassiez, mais vous allez le faire devant le Seigneur là? La honte. Oh, putain de merde, mais je suis un cerveau. J'ai un cerveau malade. J'en ai marre. Mais j'en ai marre d'oublier l'autorun à chaque fois, ça m'énerve. J'ai un peu. C'est la molette avant là. Non, c'est pas la molette avant. Mais si, tu fais deux coups de molette avant, ça fait autorun, regarde. Là j'avance normalement, et là deux coups de molette avant. Pas du tout. Bah. Moi ça n'arrête pas. Hein. Putain. Attends. Ah c'est bon, j'ai trouvé, enculé. Ok, dis pour voir si tu sais vraiment. Bah je suis en autorun donc. Ouais mais dis au cas Shift où pour voir. Plus Z. Ok, je le savais pas. Donc tu t'en fous du zombie, quand tu seras épuisé que tu pourras plus le taper. Et que lui par contre sera encore plein d'énergie, tu vas faire quoi? T'as combien d'énergie? Assez pour le taper moi. Mais c'est toi qui poursuis, c'est pas moi hein. Je vais bien trop vite. Il est plus proche de toi que de moi maintenant. On va voir ça. Le mec a tourné bien à gauche sur forêt là, il fait quoi là? Merde, il a raison, attends, il a arrêté de courir là. Ah non, il te poursuit encore, c'est bon. Il est lent, je vais le tracer. Bon ok, je vais pas le tracer là.
Oh, j'ai 17% d'énergie là. Oh, je l'ai tracé, je sais pas comment enculé. tu fais. J'ai plus d'énergie. Jure, tu peux encore courir là. Plus maintenant. Et le zombie? T'en fais quoi? J'ai parlé avec lui, il a accepté de revenir plus tard. J'ai négocié. Bah écoutez les gars, je sais que vous voulez voler mon portable. Ce que je vous propose, c'est que je repasse tout à l'heure, je vous le donne, mais là j'ai un truc urgent à faire d'abord. Je dois appeler des gens, c'est hyper important, je vous le donne demain. On se dit demain à même heure? Ici hein. Allez, c'est reparti, putain. Donc tu suis pas à la route, tu suis aucun code? Je suis rien ni personne. Je suis à côté des sentiers battus. D'accord. Je suis en total freestyle. Oh, c'est lâche-moi en freestyle pour voir. C'est quoi ça? C'est quoi ce mur? Y'a un truc derrière? Ok, t'as raison. Tiens, tiens, tiens! S'il y a pas du stuff ici, je me coupe une couille. Mais c'est un stade, y'a pas de. C'est un champ de tir! Bien sûr que c'est un champ de tir. S'il y a pas un truc ici. Putain, mais c'est quoi ce bâtiment de merde? Y'a rien là! Va, monte dans la tour de guet, y'a certainement des trucs. S'il me dit de monter dans la tour de guet. Ah non, je croyais que c'était parce que t'avais vu un truc ailleurs plus intéressant. Hé! Hey, j'ai des cartouches. J'ai des cartouches pour mon fusil. Cartouche pour fusil, pile donc, poil. Donc ça c'est bah, bien. Donc on peut déjà se défendre. Je les mets dans ma chemise. J'ai un point américain. Quelqu'un sait s'il y a des choses à looter ici? Ah ouais, si vous saviez, ce serait vraiment cool. À quoi M4. Sert ces gros poteaux en pierre là? Non, mais il y a une M4. À quoi ça sert? Vous êtes humoriste. Mais par contre, il est super long le champ de tir, t'as vu la distance qu'il fait? Moi, je veux qu'on trouve une fois une arme qui permette de viser bien au bout du champ de tir. Voilà ce que je veux. Ça se trouve au bout du champ de tir et du stuff? Non, non, parce que c'est là où on tire, ils vont pas stocker des trucs tout au bout de là où on tire. Bah si, justement. Ils mettent les armes là où on tire. Il y a full stuff. Attends, 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 regarde, regarde, regarde. Regarde, là où on est, c'est pas... Tu vois, si le mur est ici, en bois, ça veut dire qu'il tire de là-bas, et pas de là où on est arrivé. C'est le bout, en fait, là où on est arrivé. Ouais, le début du stand de tir, il est là-bas. Et ouais, et regarde là-bas, t'as vu l'avion? Attends, c'est un oiseau. T'as vu l'avion, il bat des ailes? C'est j'ai vu les ailes qui battaient, je me dis, attends, c'est... J'avoue, quand tu me l'as dit, j'ai eu un doute, parce qu'il bougeait pas les ailes. Voilà, j'essaye de deviner ce qu'il y a au bout, mais à mon avis c'est énorme. Je pense bâtiment full, genre l'embarras du choix, lance-roquette, sniper, Kalachnikov. Ouais, ce qu'on veut, et même des snipers si on veut essayer de tirer à 1000 mètres. Peut-être faire une pause moi là. Ouais, moi aussi. Je faisais le malin, puis bon. Ah, oh, ça fait du bien de se reposer par contre. J'aurais bien une tartine de fromage de bite. Putain, j'ai cru que ça allait être cool. Après, tu manges des oignons frits tout seul. Tu peux bien bouffer ça. D'ailleurs, il en reste et j'ai faim, donc... Putain, mais non, mais... Non, mais il mange un repas, en fait. Ah, j'avoue, je me suis donné, là. Non, en vrai, je peux pas bouffer grand-chose. Ce midi, j'ai fait quoi? Oh, c'était un peu nul, ce que j'ai mangé. Oh... C'était frites et XL avec de aiguillettes de poulet tikka. Oh, ça va. Bah ouais, mais les deux elles sont pas ensemble en fait. Ah. Qu'est-ce que... Je viens de finir de bouffer des trucs, mais je réfléchis à ce que je vais manger après. Des fois j'ai trop envie de me faire un truc vraiment sale et après je me dis bah non Damien, tu vas chier partout. Et donc, bah ouais. Du coup je le fais pas, mais ça m'emmerde parce que des fois... Vraiment, j'ai envie de me dire, allez, vas-y, fais péter le cheese naan kebab, là, triple viande, là. Dernière fois, j'ai commandé un burger, je pense que ça faisait 3 ans que je l'avais pas fait. Et finalement, j'ai pas été si content que ça, parce que ça restait quand même un burger à la con. Ouais, ouais, c'est le problème ouf. Aussi. Moi, je le fais en plus, fait. Je fais des burgers maison, parce qu'à chaque fois, je suis déçu. C'est pas ouf, en fait, hein. Vraiment. En fait, c'est vraiment, tu sais,
T'as la flemme et tu te dis, allez, ça va valoir le coup. Et tu fais, bon bah j'ai bah ouais, coupé ma bof, forme, hein. Ça valait pas. Ouais, y'a un zombie le qui te tape les pieds là, fais gaffe. Hein. Je vais oui. aller le tuer parce que. Eh, une track suite. Eh, hey, toi! Je croyais que t'avais fini ta phrase par lâche mon meilleur ami, mais tu l'as pas dit. Tu peux pas le dire? Hein? C'est une mine! C'est une mine! C'est une mine! Attention, attention! Attends, c'est. C'est une mine! Ah, c'est une non, mine! C'est... Non, mais c'était pire qu'une mine en fait. Je crois que tu te rends pas compte de ce que c'était. C'est un zombie qui explose? Oui. Ah ouais, non, mais faut que je fasse vraiment extrêmement attention quand je vais rentrer dans cette merde en fait. Alors attends. On était où sur la case? Je suis tout en. Je suis tout au milieu alors, de B2 à droite. Alors, on était. Tu vois l'airfield? Oui. Oh merde! Attends, deux secondes. Merde, merde, merde! Je vais mourir! Mais j'ai des munitions, pourquoi elles vont pas dans le truc? T'as pas de chargeur. Mais je. Je vais mourir, obligé. Ah, je suis tellement et mort, coup, par rapport sûr. À l'airfield, juste au, au, sud, mémoire, au mais sud, au sud. Au sud de l'airfield, d'accord, 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 je vois. Sud. Pourquoi le jeu, ils ont eu l'idée de se dire hey, « Eh les gars, on va coller du C4 sur des zombies et quand ça branche d'un humain, on le fait exploser ». Du bruit, soit t'es concentré, soit t'es mort. J'arrive pas à savoir. Ah, je dirais que t'es mort là. Non, ça y est. Oh là là, j'ai eu un combat avec 3 zombies pendant 15 minutes là. Dont un très très gros, putain. C'est au sud, il y a une route qui descend de l'airfield. Non mais je suis devant le front de tir. Oh là là, ce que c'était dur, putain. Eh, le zombie militaire avec un gilet et tout, c'est absolument insane. Hein. Faut vraiment pas se battre avec eux. Hein. Par contre, du coup, faut que j'arrive à comprendre pourquoi j'ai pas pu recharger mon fusil. Mais je crois que c'est si t'as pas le chargeur, je sais pas ce que t'as comme fusil, non, mais c'est pas un... balle par balle. Ouais, c'est du balle par balle. C'est un fusil à pompe, tu vois. Donc en fait j'ai les munitions dans mon sac et je sais pas, genre, est-ce qu'il faut que je les mette dans et un pantalon. Quand tu fais R, normalement. Bah ouais, ça se recharge pas quoi. T'as tiré et ça fait rien. Ouais ouais, j'ai tiré une balle, après j'ai fait R. Après j'ai essayé de déplacer les balles, de les mettre dans mon inventaire rapide. J'ai Shift R pour gérer l'embrayage. Ah t'as vu l'embrayage. Ouais. L'embrayage. Ouais j'allais dire l'embrayage, du coup j'ai fermé ma gueule. Autant de passer ridiculiser. Ah ouais c'est... Ah ouais c'est ça. Putain. Bon bah ça va, heureusement que ça m'a pas tué. Je te vois. Putain. Du coup, il y a quoi dans ce bâtiment qui soit incroyable pour mettre des zombies avec des mines dessus là? Bah rien. C'est en fait, il venait de l'extérieur en gros. Ah OK. Après s'il y a des zombies militaires, c'est qu'il y a peut-être du bon stuff quoi, c'est dommage. S'il y en a pas. Voilà, ça je jette. Qu'est-ce que ça cache cette connerie? Une épingle à nourrice. Ah, c'était ça qui protégeait. Bien vu. Mais pourquoi tu la prends pas? L'épingle à nourrice? Oui. C'est de la chiasse. Bah, si j'ai besoin de rattraper un vêtement, Attends, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai? Ah! Attends, surtout, faut pas que tu bouges par contre. Oh! Que tu fais? Sinon je meurs. Ah mais casse-toi! Putain mais il est dégueulasse! Non mais vas-y! Oh putain! Oh heureusement que j'ai trouvé un fromage. Casse-toi! Oh le gros connard! Putain! Ah putain! Dégueulasse! Oh ça fait du bien! Je mange du frometon.
Putain. C'est gros sale. Il fait du RP bizarre. Oh putain. On a vu des gens faire du RP bizarre. Hein. Hop là. Les gens qui se font sucer la queue sur GTA RP là, hein, on vous voit. Oui, on vous voit les gens gênants là. Vous me gênez très très fort hein, par contre. Hein. Très fort. Vous arrêtez maintenant. Hein. Franchement, quand vous aurez fini, arrêtez s'il vous plaît. Parce que c'est trop quoi. C'est. Oh. Tu rentres dans la chambre du gosse. Tu as fini, tu arrêtes. Hein. Tu as fini, tu vas te coucher là. T'es bien fait sucer sur GTA RP, tu arrêtes maintenant. Attends, je cut une tour à quelques trucs. Eh, c'est le September en fait, on vous l'a dit. Tiens, tiens. Des pourcentages incroyables sur les resubs. Et c'est que le mois de septembre, donc si vous devez en profiter... C'est maintenant. Pardon, c'est maintenant. On est obligé de... C'est quoi cette question? On est obligé de donner 500 bits? Bah non. Comment ça, obligé? Bah, pas vraiment, quoi. En gros, tu fais ce que tu veux, quoi. T'es forcé à rien. Ah, c'est le minimum, tu veux dire, peut-être. Bah ouais. Ah, oui, bah oui, on n'est pas des clodos, oui. Hein. Non, mais c'est qu'après, les gens, ils peuvent pas, mais c'est chiant. Non, vu qu'ils peuvent mettre des messages et... Un silencieux coup, pour... En limite. Bah... Un silencieux pour arc. Genre, c'est plutôt silencieux, un arc, non? Non, mais... En fait, le principe de l'arc, c'est qu'il est de base silencieux. Bah ouais, bow silencer. Genre... Genre, quand tu tires une flèche, ça fait juste... Comment on va à l'airfield, toi tu sais toi? T'as besoin des rags ou pas? J'en ai un. Ouais, t'en as besoin. Ah non, j'en ai plus que ça en fait. Bon, t'en as pas besoin. Après, des rags de bonne qualité, j'en ai pas. C'est ça dont tu parles. Oh, bonne qualité. Les beaux bandeaux, tu sais. Des... Ouais, j'en ai des froissés quoi. Ils sont pas cradins, mais tu vois, c'est ce genre de matos là. Ah ouais? Ah ouais, bah. Bah, j'en prends un quoi. J'en prends un. Vaut mieux en prendre. Eh, vaut mieux en avoir en rab. Eh, tu sais, bon. on est jamais trop bon. Hein? Bien. Dans ce cas. Alors. Tu prends pas des rags? Hein? Tu prends pas? Bon, bah, je prends. Tu finis pas tes rags? Bon, bah, je les prends. J'ai un comp. Un compound bow sight. En gros, si on a un. C'est un arc, je crois. Oui, c'est pour les arcs. C'est un viseur point rouge pour les arcs. Et bah, moi j'ai le silencieux et toi t'as le. Et bah, super, Robin des Bois. Oh! Oh! La petite coquine. Mais attends, c'est un prank d'un joueur. Y'a rien. Oh, mais c'est de la merde. Non, mais putain! Ouais, par contre, si on peut le poser nous-mêmes, ça c'est trop bien. Tu sais quoi? Je pense que tu te fais une fausse joie. Bah pourquoi avoir mis ça Wow! Oh! Mais non, mais c'est une blague! Oh! Wow! Hey! Wow, j'ai un fusil! Oh, c'est nice. Bien que le tien! Merde! T'as besoin de cartouches! Attends, tiens, c'est du quoi qu'il faut? Est-ce que ça du fonctionne ça? Ça doit fonctionner ça! Prends ça! Elles sont vertes! Moi j'en ai des rouges! Là t'en as des vertes. Ouais. Ah, ça recharge. J'en ai combien là-dedans? Deux. Ah bah cool. On a tous les deux un fusil différent. Putain, on va tuer tout le monde. Go l'airfield, on va se surstuffer. Vas-y. Mais là on est inside hein. Ça se trouve c'est pas un airfield. Mais c'est par là ou pas? Ah je sais pas. Ah bof, vu comment... Ah bof, je crois qu'on va aller à droite. Une petite maison là. Pour l'instant la game, malgré ma mort, nickel. Allez nickel. Imagine t'es pas une. C'est pas un airfield, c'est... si ça doit être un airfield quand même. Mais c'est un airfield espèce de malade. Aérodrome. C'est quoi? Non mais je sais pas parce qu'il y a des gens qui disaient allez au nord pour l'airfield. Mais genre vraiment au nord. Attends, attends, il y a peut-être des œufs. Des œufs. On va faire une omelette. D'ailleurs j'ai de la. Si jamais hein, j'ai de la levure de boulanger. Si jamais. Oh des œufs. J'ai clous. Mec. Non mais là si tu veux que je fasse une omelette, j'ai 5 œufs. Un citron vert. T'as pas été impressionné par ma nouvelle. 5 œufs. Œufs. Et 5. Il faut quoi d'autre pour faire une omelette dans le jeu? J'ai 6 œufs.
Bah, 6 œufs, c'est on fait une omelette là. Putain, pas mal. Il t'a refilé des munitions de clodo. Bah non, pourquoi vous dites ça? Oh, elles sont vertes et les miennes sont rouges, quoi. Je me suis fait avoir? Non. Bon, je crois que dans les scriptifs, ils disent qu'elles sont un peu plus petites, un peu plus. Et dans le titre, je crois que ça parle d'oiseaux. Genre, c'est plutôt pour les oiseaux. Mais bon, c'est toujours impressionnant. Genre, tu tires sur un mec et le mec va avoir super peur. Non? Je vais te tirer dessus pour voir. Tiens, regarde, je t'ai mis un cadeau au sol. Comme ça, tu me casses pas la gueule. C'est quoi? Oh! T'entends? Mais il y a vraiment de la musique là! Ah, elle s'est arrêtée. Eh, qu'est-ce que... Mais c'est moi qui fais de la musique ou c'est toi? Mais c'est toi! Attends, je la baisse un peu. Attends, viens parce que... J'entends pas moi. Ah ouais. Mais on va striker la VOD. C'est peut-être une musique numéro 2 droit. Attends, je monte le son. Comme ça, on non, sait qu'on arrive. Oh les pires mecs. Non, franchement, ouais, stylé la musique. Quoi? Attends, je me repose. Je dois faire un truc. Le chat va sortir. Sortir? À la fenêtre. J'espère un jour il saute. Fils de pute. Moi ou le chat? Bah toi. Il dit ça comme si c'était pas mérité. Bon, j'ai rien dit. Elle sert à quoi la électronique repair kit? Je sais Je pas. la garde mais bon. En vrai ça peut servir peut-être. Si je vois un oiseau, je lui tire dessus. Vu que j'ai un fusil à fusil. Oh! Wow! J'ai un boombox! Allez mon gars, on y va! I'm your host, John Dick, and welcome to C'est quoi ça? Mais c'est... Once you're ready, be sure to sign up for one of our mini events. Ah, j'ai regardé. Challenge yourself against other prisoners. Team up and overcome for blood and glory. Mais on s'en fout, c'est à droite. Play some tunes, shall we? C'est complètement à droite. Je crois qu'on... Ah, ça commence. Radio Scott. Ah voilà, ouais. Mais comment on arrive dans la base là? Putain, on se fait tirer dessus, c'est mérité, hein. Ah. T'as mis sur off? Oui. T'as peur? Un peu. Bon, on la garde pour plus tard. Tiens, on attire des mecs, tu sais, on met la radio à fond dans un bâtiment, mais on sort ah du bâtiment. Ah ouais, on s'en va. Bon bait en vrai, hein. Bon bait. Ah, faudrait vraiment être con pour rentrer quoi, dans le bâtiment. Bah, moi j'entends de la musique, j'y vais, sans déconner, j'y vais. Oh, je suis fatigué. Comme... Ouais, moi aussi, là. Petite pause. Ah. C'est du bien de penser. Oh, je voulais écouter le calme et le bruit de la forêt. Oh, c'est du bien d'entendre un peu de silence. On a des arbres dans la forêt, on met du rock à fond, on dirait les mecs de Bowling for Columbine là. Allez, bon. Putain, faut manger là, mais je mange, mais bon, c'est dur. Quoi, faut manger? Métabolisme. J'en suis bah, où, je suis vide, mais je suis vert de partout. J'ai pas beaucoup de choses dans mon intestin, j'en ai beaucoup dans le côlon par contre, je peux vous dire que ça va pas tarder à. Oh putain. Vas-y, je vais manger un petit coup de pain, un morceau de pain, voilà, un quignon. Oh la vessie, oh, c'est nourrissant. Prépare-toi, la vessie est plutôt pleine. Non, mais je suis pas urophile. C'est vrai que ça s'appelle comme ça.
Et nous y voilà. Airfield. Nous y là, voilà. On... Là, faut qu'on fasse gaffe. Oh merde. Bordel. Nous y voilà. Là, faut faire gaffe. Va falloir faire une pause à l'airfield. Oh! Il y a un animal là. Il y a un animal sauvage là. Attends, faut que je me repose moi. Ouais, moi aussi, putain, c'est bon là, merde. On a aucune. Aucun cardio. J'ai du pain dans la main. Putain, on dirait une vieille éponge. Ah, ou une belle tranche de pain de mie en fait. T'entends le robot? Oh, et des robots, ouais. Bah ouais, on a marché calmement, mais y'a un robot là. Et puis ils peuvent nous sniper, c'est sûr. Oh merde. Va falloir attends. Faire attention. Au pire, je peux faire un reflet dans leurs yeux avec la loupe. Pour les griller. Bon, attends, on va peut-être venir par l'extérieur un peu plus là. Ouais, marche vers là. On va aller dans le hangar là, le premier qu'on voit, le grand. Ah, je vois le robot. Quoi qu'on devrait peut-être se faire les... Putain, on devrait se faire les... Non, d'abord les tentes, là, les trois. Enfin, les dômes. Et on devrait le tuer, le robot. Ah bon? Les deux robots, on tire une balle chacun. Avec mon fusil à oiseau? Ouais, c'est ça. Ouais. Autant prendre le côté le plus safe, non? Pour commencer. Attends, il y avait pas un moment donné... Ouais, ouais. Genre là, ouais. C'est vraiment open, quoi. Hein. C'est dur. Hein. Attends, mais je t'ai perdu. T'as avancé? Je suis à ta droite. Ouais. Je vais éviter tout risque parce que je pense qu'ils peuvent nous tirer dessus quand même. Ouais, ils peuvent. Et puis si ils sont trigger une fois, je pense après ils sont trigger pour la vie. Ouais. Oh! C'est quoi? Un car repair kit. C'est quoi? C'est... J'ai cru que c'était un sandwich tellement je suis un gros porc. Tu veux pas le prendre? Bah, j'en ai vu tout à l'heure, mais en vrai, non. Bah, après, si ouais, on trouve si une bagnole. Ah, vas-y, ouais, bah, vas-y. Ouais, mais voilà. J'ai ma boombox qui prend beaucoup de place. Non bah je l'ai pris mais j'ai juste que j'ai plus de place là pour le reste. Alors où sont les robots là? Attends, je vais essayer de voir. Ah zombies, attends. Zombies. Ouais, et les zombies sont vénères hein, du coup. Je te préviens genre ceux j'ai vraiment dû mettre 10 coups de hache et faut vraiment reculer en même temps. Ah non mais ça va, c'est ceux-là. Aïe, oh putain, je l'ai pas volé celle-ci. Putain, j'ai pas envie de te mettre un coup. Aïe. J'ai pas envie de te mettre un coup. OK. Ah non mais il fait des bluffs. C'est bon. Ok. 5 pas, c'est bon. Ok, je regarde si la voie est libre. La voie est libre. Pour le premier. On ne va pas fermer les portes. Je fais les cartons. Oui, tiens. Tu fais à droite. Ruban adhésif. On s'en fiche. Ferraille, les cartons, des fois, il y avait des trucs bien en vrai. Ouais, ça peut arriver. Ah bah, tu vois, Hunting Scope. Pas mal. Ah bah ouais. Box of Safety Pins. C'est quoi des Safety Pins? Garde-les. Des pinces à cheveux. C'est pour crocheter la. C'est pas pour crocheter les portes? Peut-être. J'ai des trucs, je sais pas pourquoi ça pourrait servir, mais je les garde. La ferraille. Du ruban adhésif, sait-on jamais. Ok, ouais. Ici, pas grand c'est... chose. Attends. Y'a personne là? Oh là, oh là, si, robot, si, si. robot. Il est là. Ouais, faut attendre. Putain, tu vas jusqu'à où mon pote comme ça parce que. J'ai fait un prout, mais vraiment. Comme si j'avais peur quoi. Oh, il peut tellement me voir s'il avance d'un mètre de plus. Enfoiré. Est-ce que je dois marcher là? Je pense qu'en marchant c'est safe. Ouais, ok, j'ai... go dans celui-là. En marchant c'est safe, le mec a tapé son meilleur sprint. Non, mais je voulais pas tenter de marcher safe. Ça se trouve. Partie glacis. Des... Oh, elles sont stylées. Boîte de clous, on s'en fout. Ça peut jamais nous être utile. Pour ce qu'on bah, j'en sais rien, mais en vrai, il y en a souvent. Hein. Des munitions de calibre 30. Après là c'est pareil, il y a des boulons, des écrous, des machins, genre on peut pas tout prendre quoi. Je sais pas ce que c'est comme fusil qu'il faut mais...
au cas où j'ai ça. Il y a du fil, ça j'en ai déjà, mais je vais en reprendre. Ouais, le fil ça peut être utile. Ils me font croire qu'il y a une pelle qui rentre dans cette caisse. Allez, c'est ça. Un couteau de cuisine. Bah, c'est quand même bien mieux que, ouais, déjà, hein. Que mon couteau de merde. Il est où là, le robot? Je sais pas où il est, je cours. Alors, je suis dans le prochain hangar. Oh, un soutien-gorge. Regarde. Mais qu'est-ce que tu veux foutre avec un soutien-gorge? Bah, avec... je sais pas. Ça fait des semaines qu'on est là, ça. Les... d'un moment. On a que nous et notre imagination, quoi. Donc, je commence et la semaine prochaine, c'est à toi. Je le lève vers la rivière et je te le donne. Encore du fil. Ah ouais, oh putain, le robot. Là, il est bien motivé à venir maintenant, quoi. Il est juste là, quoi. Une grande bêche. Oh putain. Mais n'ouvre pas. Putain, il regarde pas où je suis. C'est bon. Foire. On court. Tranquillou. Elle était déjà voilà. Venue ici, hein. Je m'en souviens de cet endroit, on avait eu un combat de ouf. Ça me dit rien. Oh que si, avec beaucoup de gens. Ça sert à quoi un... Il y a une hache. Un smartphone. Bah tu peux appeler n'importe qui du moment que t'as son numéro quoi. T'es vraiment une sale merde. Small toolbox. J'ai plus de place. Plus place. Electrochemical repair, je dégage. J'ai pris du charbon actif. Toolbox. En cas d'empoisonnement. C'est... ouais, c'est pratique pour laver l'estomac et compagnie. Attends, c'est des munitions de 22. De point 22, c'est toi qui prends ça ou pas? Ouais. Le point 22, c'est pour toi? Bah ouais, mais c'est pour toi aussi, non? Bah non, moi c'est des cartouches de... Ah non, point 22, non, pardon, du 12. Oui, c'est du point 22. Ah non. Moi, c'est du 12 qu'il me faut. Ah non, non. Tu mets pas ce masque-là. Il fait flipper. Halloween ouais. Masque. Moi aussi, je l'ai. On pourrait être un gang. Qu'est-ce que j'ai lâché? Tes lunettes. Oh non, mes parties glacises. Attends. On repart sur un toit. Il est juste à gauche. Et il y a un zombie devant. Oui, juste en face. Il faut qu'on rentre dans le hangar ou pas? Il nous regarde là. Voilà. Là, il nous regarde plus robot. Le zombie en revanche. Il va nous faire chier le zombie là. On peut rentrer par la droite, mais je crois qu'il y a un zombie qui est là ou pas. Ouais, il est de dos, go. Let's go. Il y a une porte. Ferme la porte. Il y a plein de trucs militaires. Faut juste qu'on soit. Attends, faut qu'on fasse le zombie d'avant. Ok, et je crois qu'il n'y a pas un robot qui rentre dans ce bâtiment où... Non, il peut nous voir. Faut faire gaffe quand même. Je crois qu'il rentre s'il nous voit. Ah ouais, là, il peut grave... Ah, le zombie arrive. Merde, j'arrive pas à le toucher. Regarde, j'arrive pas à le toucher, ce con. Ah, lui, il arrive à me toucher. Tu veux de l'aide? Ah, c'est bon, il est mort. Eh, regarde ce que j'ai sur la tête. Oh, c'est stylé ça. C'est bien. Ouais. Ah, du 12. C'est ce qu'il me fallait. Comme par hasard. Tiens, ah, non, tiens. C'est du 22 qu'il me faut. Non, c'est pour toi le 12. Ah, oui, ah non, zombie qui explose. Ouvre. Viens. Cours. Oh, de l'autre côté aussi. Faut fermer les portes. C'est moi la tache de sang par terre. J'ai pris un hit. Tu saignes pas? Non, mais j'ai moins de vie effectivement, je crois. Non mais attends, t'as vu que ces salopes de zombies là? Attention. C'est quoi qui bip? C'est le zombie. Oh! Ah, il a pas pété? Non, il pète pas en fait. Ah, mais c'est de la merde. C'est tellement dur. Bah il pète là.
Bah dès qu'on ouvre, il faut tirer dessus quoi. Ah, il pète. Colle-toi à moi, vas-y. Oh l'enculé, putain. Oh la vache. C'est bon, il a explosé. Oh, putain. Ah ouais, bon, faut faire ce genre de strat quoi, faut vraiment... Alors, bon. Attention, il est où? Attends, tu veux pas qu'on se calme là? T'as pas pris de dégâts? 62%. Ok. Après, bon, dans tous les cas, j'ai pas beaucoup de bouffe, c'est ultra dangereux là. Tu veux de la bouffe? Bah, est-ce que ça va vraiment me... Regarde ce que je t'offre à tes pieds. Oh, le brocoli, l'image était dégueulasse, mais en fait, ça me fait envie là. Yes! Peut-être. Juste en. Par contre, après ça, il n'y a plus de bouffe. Hein. Hop. Parce que ça m'a un peu retourné l'estomac cet événement. La ficelle, les élastiques, on s'en fout en vrai. Ce serait bien un truc qui trie automatiquement. Ah, j'ai chié un pistolet! C'est pas vrai. Ah mais regarde, c'est pas, j'ai vrai. Pas fini. Il est dégueulasse celui-là. Attends, mais faut que je le fie aussi. Un pistolet avec son chargeur et tout. Hein. Son chargeur? Oh putain. Avec son chargeur, vraiment bah, c'est attends, stylé. Je vais poser une belle pêche aussi, moi. Attends, parce que là, j'ai plus beaucoup de place. Du coup, il faut que je trouve un moyen de prendre le pistolet avec. Allez. Oh la belle... Oh le beau colomba. Oh le pistolet. Et une flash d'alcool. Par contre, c'est la merde parce que ma hache, faut que je la mette ailleurs. Ta hache, tu l'as où toi? Dans quel emplacement? Bah, dans mon dos. Ouais. C'est... Tu veux la voir où, Nigo? Non, mais genre. Merde. Je sais pas comment ranger mon équipement là. Je veux un pistolet dans les avec mon fusil. Comment je fais? Ouais, il est mal rangé mon équipement. Ah mais ça m'emmerde je peux un pas. Peu. Comment je mets le chargeur dans le... Attends. Ok. Ok, je vois. Mais j'ai pas chié une hache quand même. Voilà. T'as chié quoi? Ah non, pas, la hache c'était moi. Chié une hache. Non, okay. La hache c'était moi. Bon, faut qu'on y retourne. Par contre, c'est quoi les munitions du pistolet? 45 ACP? J'en ai un petit peu. Pas moi. Attends, je le chambre. Je l'ai chambré normalement. Bien écoute, je suis. Bah, je dirais que je suis quasi prêt, hein. J'ai 53% de vie, ça descend, je sais pas pourquoi. Bah, fais chier. Tu t'es blessé? Bah, non. T'as faim? Bah, je viens de manger ton truc. T'as soif alors? Bah, je suis à 0% sur les deux, mais bon, c'est scum quoi. Tu veux un œuf? Ça se mange direct? Tu peux tester. Tiens. Je veux bien. Hein. Je teste avec toi. Je le mange avec sa coquille. Hop. Faut pas gâcher, c'est là où il y a toutes les vitamines. Mmh. Non mais pour ceux qui disent mange et bois, t'es à zéro, vous connaissez pas le jeu. On est toujours à zéro. Y a pas de... Bon, une fois okay. qu'il repart, on y va. Je prends mon pistolet en main au cas où il y a un zombie qui doit exploser. Moi je prends mon fusil en main. J'ouvre. Il est parti. Mais attends. Il, non, il arrive. C'est le mauvais sens. Il arrive là. Je vais le regarder d'ici. Ouais, je le vois. Mais ton chapeau de fête? Ouais, désolé, j'ai.
Mais moi j'ai un casque, je vais pas mettre un chapeau de fête. Mais ton chapeau de fête, c'est la fête. Mais c'est la fête. Oh, attends, maintenant. Ah, je crois que t'étais tout blanc parce que t'étais malade. Bon, s'ils peuvent nous laisser 45 ACP. Bingo. C'est bien pour le pistolet ça. Ouais. Ok. No item found. Ok. Alors je vais faire cette pièce. Faut passer en transfert, là. Tu saignes. Je saigne pas, y a pas de goutte de sang. Je vais me bander quand même. J'ai pas le temps de looter tout ça, je prends tout sans regarder. Ouais mais à mon avis je saigne. Plus tard. Je vais m'en remettre un deuxième même. Ah non je peux pas, ok. Oh là, y'a un zombie qui est. Y'a un robot qui est vraiment pas loin, putain. Je vais prendre cher. À cause. Va te cacher. Oh vilain. Alors attends, c'est peut-être un truc pour toi, je sais pas, j'ai tellement pas regardé. Attention, y'a un zombie. Y'a un robot qui le voit peut-être à travers les fenêtres ici. Ouais. Alors, putain, alors, ben, M82, oh. Il tire sur quoi, là? Calme-toi. Mais, des piles, je sais pas si ça peut être utile. Voilà. MP5 suppresseur, non. TIN M1911. Comment? Oui. TIN M1911? Ouais. Attends. Comment on met les balles dans le chargeur, je comprends pas là. Attends, mais oui. Oui, c'est vrai que le chargeur, faut le. Alors, si je drop les camps. Ok, les ouais, faut les charger ouais, dedans et après les mettre. Ok. C'est ça. Et comment on sait combien il y a de balles dans le chargeur? Parce que ça le dit pas. Bah, ça le dit pas, c'est très chiant. Attends, c'est con. Oui, c'est très chiant. J'ai du 9mm, du 7.62. Mais on s'en fout de tout ça. Tellement de robots, bordel. I'm starving. Ouais, tu m'étonnes. Oh, il y avait deux machines à café et à snack en haut, mais il y a rien dedans, putain. Quel dommage. Tiens, je te donne une lunette de chasse. Volontiers. Si t'auras un fusil plus tard. Le 12, non. Le point 22, c'est pour moi. Le 45 ACP, je le garde aussi. Ouais, j'ai des trucs pour un MP5, mais j'ai pas de MP5, quoi. Attends, calibre 30, t'en as pas besoin? Non. Putain, j'ai récupéré plein de balles différentes, mais bon. Il tire sur moi là? Ah non, c'était sur moi, d'accord. Bah, je suis mort, j'avais pas compris que c'était sur moi. Oh non. Je pensais que c'était comme tout à l'heure, il tirait sur n'importe quoi. Non, je suis mort. Oh. Ah merde. D'accord. Eh ben, maintenant, au moins, tu sais. Ouais, c'est bien. Top. Au top, ça. Est-ce qu'il y a un. Il y a un truc pour trier automatiquement son backpack. Vous savez ou pas? Si on peut. Non, on peut pas. Ok. C'est pas grave, mec, c'était mort. Ouais, on sait rien. Ouais. J'aurai des trucs pour toi quand tu reviendras. Pourquoi il tue en une balle, je comprends pas. À 500 mètres là, putain. Bah parce que faut que le jeu soit difficile.
Ça fait sens, non? Ouais. Pourquoi j'ai gardé du savon? Je peux pas me laver. J'avais que 50% de vie, d'accord, je veux bien prendre cet argument, mais pour gagner de la vie, ça prend une heure. Hein, donc, Mais les œufs, ils rendent pas malades, donc du coup, ça marche. Ah ouais, ouais. Ah ouais, par contre, ça marche, mais... Non, mais dans la vraie vie, il me fait pas croire qu'un œuf remplit seulement 6% de ton estomac. C'est dégueu, un œuf. T'en manges deux, t'en veux plus. Non, mais dans le jeu, tu peux bouffer 5 trucs différents, ils s'en foutent. Et, mon brocoli, il était comment, mon brocoli? Il était à 20%, je crois, donc j'ai pas mangé beaucoup. Mais c'était bon. Bah, j'espère bien. T'as pas mérité du tout aussi, parce que je l'ai entendu tirer, j'aurais pu me dire que c'était moi. Faut vraiment être ultra prudent. Faut rien tenter, jamais. Métabolisme, ça va, j'ai un peu bu, j'ai mangé. Genre là, putain, je suis à 99% de vie, j'ai rien fait, je viens de respawn. J'ai rien fait. C'est abusé. Genre je viens de respawn. Et tu peux profiter juste, ou c'est trop te demander? Mais putain, c'est abusé! Le jeu me punit alors que je viens de naître! Bah, pense à ce que tu viens de dire justement. Ouais. C'est le truc des chrétiens, ça. Ou genre quand t'es né, t'as déjà péché. C'est pareil. Tu nais, t'es déjà un con, va te prendre tes pourcents. Et comment t'es mort par contre? Faut que je fasse gaffe du coup. Bah il m'a tiré une balle. Oui bah ça j'avais bien compris, mais je veux dire il y avait un travers, t'avais une fenêtre? Je suis sorti en haut à l'étage, donc à l'intérieur du bâtiment, et il avait un point de vue sur moi depuis l'extérieur. À travers la porte principale du hangar. Ok, donc tu aurais dû rester accroupi, c'est ça? Bah non, ça change rien. Il y a un point de vue. Ah ouais, c'est vraiment être voyé quoi, genre il te voyait bien quoi. Bah quand tu changes de pièce, s'il te regarde, t'es mort quoi. Oh putain, si on trouve des feux d'artifice, j'ai un briquet, des allumettes. Alors là, vu qu'il tire, je suppose que c'est parce qu'il m'a vu, c'est ça? Ok, Exo. Je vois. Dans quel Exo? J'ai dit ok, Exo. C'est un mec du chat. Qui m'a dit que j'ai eu de la chance sur le secteur parce que je l'ai pas vraiment sélectionné. Je me fais tirer dessus? Ah non. Non, mais par le robot. Oui. Non. Ouais, ça va du coup. Enfin, je crois que ça va. Parce que moi, je pensais que ça allait, puis paf, une petite balle comme ça, une seule, ça a suffi. Il m'a pas touché. Je loot allongé. Faut un mental d'acier pour jouer à Scum. De ouf, genre c'est les robots quoi. Pour être. Pour contrer les robots, faut être. Un vrai gamer. Hein. M'en déplaise aux pucelles. tu vois, il va mourir dans 2 secondes. Ça veut dire que c'est un jeu de merde. Oui, mais mon taux de sodium qui est trop élevé, vous êtes gentil, mais qu'est-ce que j'en fais?
Bah quand on a un taux de sodium trop élevé, c'est qu'on a besoin de sucre. T'es sûr de ce que tu viens de dire? Non, je crois que le sodium c'est le sel, non? Ouais, je crois. Comment on fait pour contrer le sodium? On boit de l'eau? Ouais, je sais pas du coup. Faut boire. Voilà. Ouais, mais quand on respawn, on n'a pas d'eau. Du coup. Non, mais tu peux pas tout avoir non plus. T'es, sur la carte, t'es plutôt du côté gauche de l'airfield? Ouais, je crois que je vois. Attends, je suis en tir croisé. Ah. Oh putain! Non, mais c'est des gros malades, c'est des gros malades. Je suis à l'airfield, je suis du côté gauche, ouais. Enfin, okay. Milieu gauche en bas. Tu t'es pas dû te mettre debout! Non mais c'est des gros malades les robots, c'est bon là. Non mais... Ah t'es là! Salut Link! Quoi? Je comprends pourquoi t'es mort. C'est chaud ou t'es hein? Bah faut pas se faire voir ouais. Ça c'est un mauvais plan là où on est en fait. Ah c'est dur hein. Moins dur que le bunker, mais. Bah, bunker avec les armes qu'on a, ça se trouve. Avec un pistolet, si les zombies meurent vite avec le pistolet, c'est faisable. Mais pourquoi? Putain. C'est. Y'a des gens qui spamment la même chose et ils se font pas ban, ils ont trop de chance, putain. Y'a un commentaire 1000 fois depuis tout à l'heure, ça me détruit. Chaque fois que je le vois, je ne sais pas bien. Ça me fait vraiment du mal là. C'est énervant. Bon, alors, c'est quel bâtiment? Quand t'es en. Si tu vois l'airfield, me couche. Ah, je crois que je vois. Peut-être. Mais putain de merde, molette à la con! Ah, c'est toi qui engage là? Ouais, c'est moi. Bah du coup tu vois où c'est? En bas à gauche. Ouais, probablement. Donc effectivement quand on est derrière les barbelés ils nous aiment pas non plus. Hein. Mais il y a un truc qui me mais c'est du stalk en fait. Non mais à peine je me relève il me tire dessus, c'est bon frère, ça fait 20 minutes je suis au sol. Comment je vais le passer celui-là? Si je cours là, peut-être que. Je vais attendre qu'il se retourne lui. Ah, du coup, comment je fais pour voter la suite? Comment on s'accroupit? Comment on s'allonge? Ah, j'ai galéré tout à l'heure aussi. Comment on s'allonge? C'est X. Merci. Je suis dans la merde. Pitié que le jeu soit pas bugué, pitié que le jeu soit pas bugué. Mais lâchez-moi! Pitié le jeu. Pitié. Mais comment il. Pourquoi il vient jusque-là? Il me marche dessus! Mais c'est quoi ce jeu de merde? Il est venu littéralement me marcher dessus! C'est quoi cette merde aussi? Faudrait penser à faire des jeux bien, putain! C'est moi qui engage là? Non, c'est moi. C'est littéralement impossible ma situation. Ah là c'est moi. Eh le. C'est pas mon plan ici en fait. C'est compliqué hein. Après y'a des sacrés en bâtiments plus, quoi. Mais... J'ai rien trouvé de spécial à part des munitions de qui vont pas dans mon flingue. Je te vois qui galère à venir là aussi. Y'en a un ici aussi?
non, mais je peux pas tout faire, je peux pas. Mais c'est pas possible en fait. Tu veux que je les attire ? Il y en a 4 ? En fait, je suis en tir croisé au milieu de 4 robots, genre je ne peux plus. Non mais si je vais au bout du hangar, j'ai pas d'endroit à me protéger. Ah, pourquoi il fait jour d'un coup là? Il fait jour là. Ah putain, mais j'étais en milieu de vision nocturne, ça m'a cramé la gueule. Mec, c'est impossible. C'est pas possible. Attends, j'ai cru voir un truc monter. C'est impossible. J'ai cru voir un joueur monter. J'ai fantasmé. Pas possible. Tu arrives pas? Ah, je suis mort, je reviens. Ah, t'es mort? Bah, j'avais trois zombies. J'avais trois robots sur moi. Et genre, s'ils te voient, ils viennent littéralement sur toi. Ils viennent te marcher dessus. Tu peux te cacher entre des voitures, ils s'en foutent, ils viennent te marcher dessus et te tuent. Tellement c'est de la merde. Et du coup, j'ai peut-être pas forcément envie d'aller au bout de ce bâtiment, parce que ça me servira à quoi? Il y a une caisse d'armes là-bas, mais je vais mourir là si j'y vais. Impressionnant. Je veux juste retrouver mon corps. Je vais faire exactement le même chemin qu'on avait fait au début, parce que c'est le seul qui doit être possible là pour le coup, vu ce que j'ai essayé de faire impossible. Mais comment je m'en suis sorti la première fois? Mais il arrive! Je m'en suis pris une, je suis mort. T'es mort? Ouais. Ouais, c'est. Quand mais tu ouais, t'en ça prends te une, c'est... pas juste. Ouais, c'est terrible. C'est compliqué parce que même pour retrouver mon stuff là dans un endroit pareil. Oh, c'est un beau petit lac. Dommage, j'aurais bien aimé m'y balader tranquillement ici. Enfin, ça veut rien dire. Tu vois là, c'est une mauvaise passe. On va partir de ce fichu endroit. Et on va te filer. Moi ce que j'aimerais, voilà, si je te le dis, j'aimerais avoir une voiture. On n'a qu'à demander à des gens qui sont spécialisés dans ce club où est-ce qu'on peut trouver des voitures. J'ai le temps pour aller chercher mon corps ou faut que je me dépêche? Aucune idée. Ce serait bâtard s'il fallait se dépêcher. T'es d'accord? Ça rendrait le jeu encore plus dur, lol. Ce serait bien. T'en es où par rapport à l'airfield? Oh, je suis encore bien à droite. Toujours en B1. Non mais ça a tiré d'après de moi. J'ai entendu un clac. J'ai entendu encore un clac là.
En fait, j'aimerais juste qu'il y ait un truc à faire contre les robots. Genre. Il y a moyen de s'en débarrasser ou de les mettre offline pendant un petit moment. Ouais, un contre, un truc, tu vois, parce que. Je trouve ça juste bizarre qu'on puisse rien faire contre. Alors, oui, apparemment, on peut les tuer avec des balles, beaucoup de balles, mais. Et encore, je sais même pas. Je sais pas si on peut-être peut. Pas, en fait. Enfin, genre, je confonds avec Rust si avec. Si on nous dit, ouais, il faut qu'un chargeur. Ouais, si c'est ouvert, donc c'est looté, je suppose. No item found. Ouais, ouais, tout le truc des armes ouais, a été looté. Là aussi. C'est même plus drôle. C'est plus rageant, c'est drôle. Genre, je m'assois pour dormir. Il y a un ours qui arrive. Il me met une putain de droite. Et il s'en va. Il va revenir. J'ai déjà eu cet espoir là de l'ours qui te donne une tarte et qui part. Il revient. Bah là il est parti. C'est très drôle comme jeu. C'est très drôle, vraiment. Putain. Bah alors si ça te fait marrer, ferme ta gueule, arrête de te plaindre. Je me plains pas. Au contraire. Putain. Tu nous as rapporté de la nourriture. Ah, c'est bien ça. Parce que je suis passé à côté d'un drop, parce que j'avais oublié qu'il y avait des drops. Mais il a été looté. Et s'il a été looté, c'est qu'il y a un mec à côté de moi aussi. Ah nice. C'est l'effet qui se coule du coup, forcément qu'il est là depuis pas longtemps, il est looté, donc j'ai entendu des tirs. Il y a des chances pour que ça matche avec le fait que quelqu'un est à côté de moi. L'ours il est là. Moi, mon ours là. Mm-hmm. Non, il est parti. Bah tu le vois. Une droite et il a sprinté tout droit. C'est vraiment un truc de victime. Non vraiment, il m'a foncé dessus, il m'a knock, genre j'étais inconscient, et il est reparti. Impressionnant. Et comment on va faire pour... Enfin perso je vois pas comment je vais réussir à récupérer mon stuff. Je suis mort vraiment en plein milieu de l'entrepôt. Qui est ouvert des deux côtés. Ah. Eh bien, ouais. Va falloir que je bait un robot. Impossible. Tu peux pas le bait sans te faire tirer dessus. Bah tu fais des coups d'épaule comme ça, tu fais hop, hop, hop. Ça va marcher ça? Bah pas le choix. Non mais il y en a plusieurs en plus, il y en a un qui passe de chaque côté. Bah arrête de te plaindre, tu trouves pas ça drôle ou quoi? Tu nous emmerdes. Non mais une fois qu'on sera sorti de là, only fun. Tu sais genre petite chasse d'animaux, hop, on cuit ça à la broche, feu de camp. On a un gros backpack, on a de la place pour faire de la viande cuite de côté. On se met en route vers une ville, on cherche une bagnole. On en croise une par hasard, on bute le chauffeur. Ce serait bien. Ça s'est déjà vu sur DayZ. Comment elle s'appelle l'instagrammeuse qui fait souvent polémique? Youtubeuse aussi peut-être, j'en sais rien. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle a fait un nouveau truc là. Elle a dit que qu'elle avait fait des photos de nus il y a longtemps et que maintenant il y a des mecs qui menacent de liquer les photos et qui demandent 10 000 euros de rançon. Et du coup,
pour contrer ça, tu sais, un peu, bah, je pense que c'est un peu inspiré de ce qui avait déjà été fait par la chanteuse, je sais plus qui les a niqués elle-même. Ouais. Du coup, on s'est dit, elle les a niqués elle-même, mais en fait, pas tellement, parce qu'en fait, elle a créé un compte OnlyFans, là. Ouais. Faut payer, du coup, pour les voir. Et j'ai cherché la logique de la crédibilité du truc, en mode, il y a des mecs qui menacent de les niquer contre de l'argent. Du coup, tu les niques toi-même contre de l'argent pour payer les gens. Du coup, s'il y a vraiment des mecs qui te menacent de les niquer contre de l'argent que tu leur donnes pas, ils vont juste les niquer et du coup, ils le font pas. Donc, ces gens-là n'existent pas et tu as juste essayé de légitimer le fait d'ouvrir un compte comme ça. Genre, ouvre-le. Pourquoi, pourquoi une telle promo ? Ça l'arrange bien, c'est son petit OnlyFans quoi. Je sais pas, tu l'ouvres, tu trouves pas un vieux prétexte qui pue. Ouais, alors, menace, donc bah, faire payer pour... Elle pourrait même peut-être imaginer cette histoire pour ouvrir son OnlyFans. Peut-être et pour faire un bon coup de pub pour le OnlyFans, peut-être tu vois. Que ça fait un bon coup de com', là. Bah, je sais pas, hein, je vous dis ça comme ça. Après, elle a jamais fait des trucs bâtards comme ça, genre jamais des histoires d'enfipping, d'arnaque, de manipulation, jamais. Donc, elle est honnête. Je pense que cette fois-ci, j'ai envie d'y croire. De même, aucun problème. Je la crois sur parole. J'espère que son mec il va faire pareil là, qui a l'air d'être aussi malin qu'elle. Putain les gars, oh putain les gars de Joe, on menace de niquer ma grosse bite. Alors j'ouvre mon compte premier de Pornhub. Mon corps est là. Ton pseudo. Mon corps est là, mais je me fais tirer dessus. Je suis pas loin. Oh, j'entends pas les tirs. Normalement, il n'y a aucun moyen qui me tire dessus là, donc je ne panique pas. Pas de raison de paniquer. Moi, je vais faire comment je vais faire comment. Ok, là, il y a un robot. Un robot. Il va où ce robot? En fait, c'est quoi le pattern de ce robot là? Attends, qu'est-ce que j'avais moi? Ok. Ça. Donc quand t'es là, toi, tu fais demi-tour. Ouais, mais t'es un malade de faire demi-tour. En fait, ton pattern n'est plus la merde, il est inévitable. Pattern de chien, là. Ouais, bah ouais, je vois bien ce qu'il fait. Non, mais il est trop chiant. Oh. Ouais, mais casse-toi. Ok, j'ai mon corps. Ok, bah moi le mien il est compliqué à prendre, mais bon on y croit. Il est dans ce bâtiment là, où on est? Ouais, 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 il est en face là-bas. Tranquille, on essaye de pas paniquer après tout. Y'a pas de problème. Il vient pas. Ah ouais, il est rentré là, il est rentré, il est rentré, il est rentré. Il est à l'intérieur, il est à l'intérieur. Il va arrêter de venir ou pas? Il fait demi-tour là, il a fait demi-tour. Oh, putain mais c'est dingue! D'être une salope comme ça, c'est pas possible! Là il y a l'autre robot à gauche qui est en train de venir vers le bâtiment. Ouais, c'est celui de gauche qui va m'emmerder le plus je pense. Et elle se ferme pas ces grandes portes là de merde putain. Il va pas fermer sa grande gueule elle. Putain. Celui de gauche, en fait, j'ai besoin qu'au moment où il se barre de récupérer mon corps. C'est sur toi ou sur moi? C'est pas sur moi. Hein. Ah c'est sur... Peut-être par un bug. J'ai du mal à croire que ce soit pour moi. Ça peut être moi. Hein. Je vais pas inventer, c'est juste que... Là, y a pas de robot devant les portes. Non, mais en gros, je sais pas comment t'expliquer. C'est au bout, là-bas. Faut que j'attende que celui qui est à gauche... Fasse demi-tour. Ok, mais du coup l'autre de droite va arriver. Bah faut que je trouve un moment donné où c'est le plus optimisé entre les deux pour pouvoir y aller. Là le robot à gauche il va est avancer, là. Il va refaire demi-tour, c'est au moment où il fait demi-tour faut que j'y aille je pense. Ouais. C'est une mission suicide. Hein. Quoique, là il va loin en fait. Mais... Les enfants de la musique, quoi.
Le zombie, le robot de droite avance vers nous. Ouais, ouais. Est-ce qu'il me voit de là où je suis? Ouais, il doit me voir. Attends, je me casse. Il m'a vu là, ce con. Il a fait demi-tour. C'est... Ouais. La voie est libre. Ah, le robot de gauche va arriver. C'est celui de gauche qui va me faire chier. Le robot de gauche est en train d'arriver. Il y avait un laps de temps. Alors... Il y avait un monde où c'était possible, mais là. Bon, j'attends que celui de gauche il avance. Ouais, le robot de droite. J'aurais dû dire zombie. Le robot de droite il met longtemps à revenir. Ouais, donc à la limite, celui-là, une fois qu'il avance plus loin que la porte. Ouais. Là. Non, il va revenir vers le robot. Là, il s'arrête. Il s'est arrêté. Le robot de droite a fait demi-tour, je ne sais pas pourquoi. C'est sur moi qui tire. Il m'a vu de là où il est. Je sais pas pourquoi il a fait demi-tour, c'est abusé. Je comprends. Il me voit de là où il est en fait. Genre, il me voit de là où il est. Ça y est, il arrive maintenant. Mais c'est un sniper aussi. C'est un sniper le mec. Il a fait demi-tour. Le robot de gauche. Le robot de gauche revient vers la porte. Quand est-ce qu'il avance ? Il revient vers la porte. Celui de droite il te voit toujours, je comprends pas comment. Non, parce que je suis derrière un mur. Il tient sur qui en fait, celui de droite là ? Et là je devrais y aller, mais. Ouais, sauf que celui de droite. Là tu peux y aller, Let's go. Mais là. Mais pourquoi il s'est retourné ? Non, mais c'est abusé aussi. Je suis touché, mais je te saigne pas. Regarde, des fois ça montre. Des fois, on regarde bien ta vie que t'as maintenant, parce que des fois ça baisse tout seul. Je suis à 90. Sans que tu saignes. Mais il vient vers moi, jusqu'où ? Jusqu'où ? Parce que là, je suis dans la merde. Là, attends, je vais me lever, Attends, j'ai pas de porte de sortie. Si tu veux, je lui tire dessus. Fais un truc, s'il vient vers moi, je suis dans la merde. Merci. Mais putain, la touche pour ça ! Non ! Mais non ! Putain de merde. Mais j'y crois pas. T'as voulu me sauver, Il t'a mis un return flash. J'appuie sur W pour me baisser. Pas X. Ah ouais, non. Mais tu sais quoi, change tes touches. Hein. Je vais la changer. Ça fait deux fois. Merci. Personne n'oubliera ce que t'as fait. C'est un sacrifice pour le coup. C'est littéralement un sacrifice. C'était beau ce que t'as fait. Est-ce que vous pouvez clipper ce moment, vraiment ? Bah non, parce que j'ai joué comme une merde. Putain, je suis vraiment un con. Sérieux, je suis un bouffon, c'était facile. Vraiment, c'était ça pas avait compliqué. Marché, en tout cas. Vraiment, tu m'avais sauvé en mode, il s'est retourné vers toi, il avait plus rien à foutre de moi. C'était pas compliqué, putain. Ouais, cette touche-là, je l'aurai direct. Oh, je suis loin, je suis tellement loin. Ouais, mais une fois que c'est fait, c'est plus à faire. Il y a des gens qui meurent de faim dans le monde. Je sais. Je sais. C'est terrible. Mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse ? Je veux quand même récupérer mon corps. C'est un problème. Mais je meurs parce que j'appuie sur W au lieu de X, vraiment. Mais t'as raison, de toute façon, je vais le changer aussi, parce que c'est pas instinctif de... X, non, enfin... Je vois pourquoi ils l'ont mis là, mais j'avoue que je m'allonge toujours avec W dans les jeux, je sais pas pourquoi. Crouch, prone. Bah ouais, prone, c'est W. Mais, attends, crouch... C'est pas... Mais contrôle, pourquoi je fais pas contrôle ? Bah normalement c'est... Ça fait rien. Normalement c'est contrôle, tu vois. Contrôle, ça attribue à rien en plus. Non, vas-y, je vais mettre contrôle. Bah c'est bon, crouch. Hop. J'espère que je l'oublierai pas, que je vais pas faire une connerie. Ça avait marché en plus, cette stratégie-là. Ouais.
on la retient. Et du coup, je nous ai pris des cheeseburgers en ration de survie et du bœuf séché. C'est très bon, ça. Donc, j'en on n'a pas tout perdu dans cette histoire. J'en veux, moi d'abord. Mais qu'essaie d'être faussement enjoué. Ah non, cette fois-ci, c'est moi. À moi, le bon burger. J'espère qu'il y a des cornichons. Du 7,62, du 9 mm. J'ai beaucoup de munitions différentes. Aucune pour me satisfaire. Non, vraiment, je serais trop gourmand, je serais une salope de faire ça, mais pourquoi, en plein milieu du hangar, mec, ils ont mis des échafaudages avec des caisses militaires? À quel moment tu peux monter au milieu du hangar, aller sur des échafaudages qui n'ont aucune protection, hein? Je pense qu'il y a des choses que c'est pas, sans déconner, vraiment, je te jure vraiment, après ce putain de live de merde, je vais aller sur YouTube et je vais regarder les gens jouer et je vais regarder ce que font les joueurs expérimentés pour les robots. Il y a forcément un truc qu'on n'a pas compris. Il y a un truc, bordel. C'est trop. Mais il y a des putains de caisses militaires partout au-dessus des échafaudages. Si elles y sont, c'est qu'il y a un truc à faire. Il y a un... Il y a une strat, il y a un machin. Quelqu'un a une idée? Défonce-les avec une bagnole. Mais pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt? Mais c'est évident. Ou alors, on vous donne le nom de notre serveur, et vous allez... Oh, c'est bon, ils vont chier les robots. Ah ouais, vous faites les singes, vous courez partout devant les robots. Ouais, voilà. Attire-les ailleurs. Non, mais de toute façon, même si, admettons que ça marcherait, ils retournent à leur pattern initial, très rapidement. Ouais. Donc, même si on arrivait à... je sais pas comment on pourrait faire, mais attirer les trois robots au fin fond de la forêt, c'est mort, ils reviennent. Et là, ces putains de caisses... Vu comme le jeu est foutu, ça se voit qu'ils peuvent regarder à travers les caisses. Je prendrais bien le risque de monter, mais je vais crever. J'ai pas envie de crever en haut en plus. Fermer les portes du hangar, on peut pas les fermer celles-là. On peut pas les fermer, c'est des portes gigantesques. Enfin, il faudrait être 12 pour les fermer. Ah, il y a des caisses au milieu là-haut. Mais est-ce que si je vais là-haut. Comment on fait pour accéder à cette étage supérieure? Ah ouais, le robot là. Attire-la avec la boombox. Putain, ce serait trop bien, mec. Tu mets la radio à fond quelque part et viennent. Je sais pas si ça marche. Mais non, ce serait bien fait, malheureusement, si ça marcherait. Ouais. Pas faut qu'ils aiment ACDC aussi. Il y a un truc dans action siffler. Ça marche peut-être. Stop it! Il voit vraiment à travers tout et n'importe quoi. C'est un truc de malade. Oui, en fait, à travers ce petit carreau là. Non, mais en fait, vraiment. S'ils n'étaient pas full OP à voir absolument dans tous les. Ouais, le problème, c'est faut les nerfer quoi, en gros. Au pixel près, tu vois, moi quand j'étais caché derrière des voitures, genre c'était vraiment. S'ils voient à travers la vitre de la bagnole, c'est foutu quoi, c'est. Vraiment dur. Bah là, je me mets là, mais ils pourraient me voir en fait, techniquement. Mais qu'est-ce que je fous de ma vie, moi? Mais pourquoi je suis là? Tu as crevé? Mais non, mais je suis sur le toit du hangar, tout en haut. Bon bah je vois tout au moins. Et effectivement, ça donne envie de looter certains trucs. Je viens de voir un russe, y a pas moyen de les flouser. Par contre, il peut marcher très près d'eux s'ils sont de dos. Bah il a des énormes couilles, hein, parce que... Je les ai pas, moi.
faut les débrancher. Alors ça, ça a l'air d'être une invention. Faut les débrancher pour avoir accès à tout, mais l'inconvénient c'est qu'il faut trouver le disjoncteur et vous avez que une minute avant qu'il se réveille. N'importe quoi, faut les débrancher. À mon avis, c'est du scam ça. Mais vous mentez là. Je sais pas pourquoi, j'y crois pas. Ouais, mais il y a des bêtes de hangar à looter, mais ils sont mieux de l'air feed. Mais même le hangar dans lequel on est, là t'élimines les robots de là où on est, mais mec, on se met giga bien. Il y a des caisses partout. Ah, c'est sûr qu'il y a des trucs partout, mais qu'on n'a pas le temps de... Enfin, c'est risqué, quoi. Tout. Et je suis pas contre la difficulté, mais il faut qu'elle soit dosée correctement. Il y a des trucs à... Hein. Bah, voilà, écoutez, je n'en sais rien. Et si je lui tirais dessus au fusil à pompe d'en haut? Il y en a un, je lui ai déjà mis une balle, hein, il est quasi mort. Il a un HP. En plus, c'est pas j'ai tiré à côté pour la tirer, je lui ai vraiment tiré dans la gueule. Du coup, il était full vénère. Il va loin lui en fait, mais attends, je peux regarder leur pattern de là où je suis. Je suis presque revenu. Va te faire foutre le robot là, qui me voit là. Putain, ça tire bien. Hein. Oh, je te vois. Ah, c'est sur toi qu'il a tiré là, d'accord. C'est la merde. Rapproche de toi. Non, il y a un grillage. Il peut pas venir vers toi. Il marche contre la grille comme un con. Non, ça va. L'autre, il est pas trigger par toi. Non. Il est pas trigger par toi. Ah, il a passé le grillage. Je sais pas comment il a fait. Il a transpercé le grillage. Il fait demi-tour. C'est bon, il a fait demi-tour. Putain, le petit qui court là. Aïe. Moral de l'histoire, je peux pas accéder aux passerelles du haut. Il y a une échelle! Mais attends, c'est un grillage transparent là, et le robot con il va me tirer dessus, c'est sûr! Parce que c'est un jeu de connard! Mais c'est vraiment un jeu de fils de pute! Allez, c'est bon, j'abandonne. Cet endroit, il est maudit. Il pue la merde. On peut pas. En fait, je suis monté en haut de l'échelle et le jeu avait pas prévu qu'on fasse ça visiblement parce que mon perso il reste coincé en haut de l'échelle en mode bah. Voilà. Viens toi. Nice fucking game. C'est con parce qu'il y a des caisses juste dès le début de l'échelle. Hein. T'as fait les... Oui, les caisses juste en dessous là. Ouais. Il y a des caisses militaires juste en dessous de cette pièce là. Caisses militaires juste en dessous. Ah oui, j'ai ouais. Bon, je suis prêt. Est-ce qu'on s'en va? Bah, soit on s'en va, soit on essaye de faire les hangars. Qui sont là-bas là. On peut essayer. Hein. Bon, bah, il y en a d'autres en fait. Il y a ceux qui sont. Selon un des devs, en 2018, tu peux les distraire en jetant un caillou pas trop loin pour qu'ils l'entendent. Mais t'es tranquille combien de temps avant ça? Ah ouais. En gros, là-bas, là où je regarde, là, il y a des hangars aussi. Tu vois? Ok. Donc à toi de voir si tu veux qu'on fasse ceux qui sont à l'opposé ou non. Il y a un robot ici. Mais on peut rentrer là peut-être. Il y a une porte. Il y a une porte là-bas là. Il est où, là l'autre robot il va arriver là. Là il arrive. Mais du coup on a un laps de temps. Ah, là, oui. Il arrive. Mais on a un laps de temps. Ok.
Ça se tente. Bah c'est bon. Tu veux venir dans le bâtiment? Non mais vas-y, rentre. Tu veux tenter là? Non, non. Pas encore. C'est gourmand, hein. Il va partir. Hein. Ton petit chapeau de fête, ça devient le trigger. Quoi? Oh, putain. Ils font chier, bordel. Bah j'espère qu'on est à un endroit où on peut pas être vu, quoi. Mais... Il est minuit pile. Mais je... Et je voulais jouer. En fait, je jouais. Mais là, je jouais, en fait. Là, en fait, je joue, là. Du coup, vous pouvez... On peut me laisser jouer ou pas? Je veux juste Admettons. Jouer, là. Ah, j'attends un petit peu avant de recliquer. Et là, si j'ai cliqué sur continue et que ça n'affiche plus rien? Ah, du coup, j'ai pas cliqué parce que... Ouais. Je le sens mal. Du coup, il y aura du nouveau loot. Oui. Ce sera Mucho Bueno. Yes. Je ne me reconnecte pas, moi. J'ai cliqué là, j'attends de voir. J'attends de voir. T'as cliqué là et ça fait rien? Ouais. Ça a crash. Ah, ça y est. Ah, j'ai entendu. Ok, c'est bon. Ok. Et dans ce carton, bingo. Et qu'est-ce qu'on est trop. Tout nouvel élastique. Oh. Et ici. Bim bam boum. Bingo, des cigarettes. Attends, c'est pas le même loot que... Non. Ah non, il y avait des clopes tout à l'heure sur le truc, mais un ça ne l'a pas laissé. Non, c'est tout nouveau, un tournevis. Ouais, j'ai jamais vu de tournevis ici. Moi, je m'en souviendrai. Tiens, oh du gasoil, parce que si jamais je me dis qu'on trouve... Oh, la taille qu'il fait. Du gasoil. Je peux pas le prendre. Je peux pas le prendre. Il est trop gros. Ah, du gasoil. Moi, j'ai pas énormément de place non plus. Hein. Attends, mais pourquoi il y a des fringues ici et tout? Ouais, en fait, il reste du stuff là. Hein. Moi, il y a mon stuff de là-haut, mes vêtements que j'avais laissés et tout. Mais. Donc, ça a vraiment été reset ou pas? Donc, on dirait que ça a été juste. Non, il y a le même cadenas là ici. Mais, mais le tournevis il était pas là. Attends. Le tournevis était pas là. Donc, peut-être que c'est une fusion de. Non, il y a du nouveau loot. Une mine antipersonnelle. Ouais, donc il y a des nouveaux trucs. Mais non, mais c'est-à-dire qu'il faut reprendre le risque là. En fait, il y a des anciens loot qu'on a mis dedans et qu'on a laissé par terre. Et comment on fait pour accéder au... Je vais pas pouvoir retenter ça. Hein. J'ai été courageux une fois, c'est trop. Bon, j'ai mangé un cheeseburger. Si, y'a le temps en fait, y'a le temps. Ouais. Je sais pas où il est, mais y'a le temps. Non, non, alors là, il va me voir là. Ok, par toi. C'est quoi, j'espère que tu te sortirais dessus. Ouais, mais mets-nous une ambiance, voilà. C'est quoi cette ambiance de Radio Western? Y'a
John Dick here, thanking you for joining us for another glorious battle. Our producers have lined up some amazing tournaments for you. Sign up and revel in the glory, or die like a worm. The choice is yours. Keep your head out there, players, and try to collect a few extra heads along the way. Here's some kick-ass music to start your day. Mais c'est toi qui fais de l'harmonica, en fait, c'est pas de musique. Je viens de comprendre parce que c'était moche. Putain, mais l'ambiance, ça résonne. J'ai des trucs pour toi en fait. Ça les. Comment? J'ai des trucs pour toi. Ah ouais? Ouais. Genre du 12 auge. Pour toi non? Le 12. Ah non, c'est le mien le 12. Non, j'en veux du 12. Ah mais non, j'ai. Ah non, c'est des différents types de munitions, mais pour le 12. J'aime bien le 12. Oui, oui, moi tout le monde. Mais moi, tout particulièrement. Ok, ma gourmande. Bah, j'ai pas mal de trucs là. Putain, la gourmande. Merde! Quels sont les trucs qui ne me servent à rien? Ouais, bon, ça faudra que je te le donne en gros. Ok, j'ai différentes munitions de toutes sortes. Je peux y aller là? Attends, mais je l'ai pas looté ça. Pitié, ne me tirez pas dessus. Je voudrais juste looter les caisses qui sont là-bas. On peut se barrer après, hein. Oui. Je pense qu'on a pris suffisamment de risques. Mais il y a l'autre au bout, là. Est-ce qu'on veut vraiment se barrer alors qu'on avait une strat parfaite pour aller dans un autre bâtiment? Une musique de doute. On a juste à retourner au même endroit, attendre que le zombie, que le robot s'en aille, et courir. Pourquoi je fais ça? C'est bon, je suis un gros con. On arrête tout. Ah, t'es là. T'as looté tout ça. Quand tu cours, je fais ça. Bon, tiens, attends. Mais cette chemise. Tiens, mets la caméra. Oh, merci. Il y en avait déjà une en fait. T'en avais déjà? Bah. Elle est où, mâche? Je l'ai mise par terre. J'avais une chemise, mais. Il y avait des trucs dedans, je crois. Putain, mais j'ai des munitions de tout et n'importe quoi là, mais bon. Ah, voilà un. Quoi? Voilà un petit robot là. Genre, dans la K, il faut pas du 762. Je m'y connais plus en arme ou quoi? C'est du 762 qui va dans l'arme. Il va être chiant. Oh putain. Je
Non mais par pitié, fais, on fait quelque chose. On y va? Oui. Faut qu'on retourne à... T'es sûr de vouloir attendre ici? Y'a pas plus risqué. Y'a trop de... Mais comment c'est possible? Je sais même pas ce qui t'est arrivé. Comment oh attends, t'es là? Mais t'es... Il y avait une mine antipersonnelle là où t'es passé. Oui. Mais c'est vraiment pas de chance, Tamura. Vraiment pas de chance. Non bah écoute. Non mais hey. Quand on le racontera, ce sera vraiment drôle après coup. Combien de dangers, combien d'obstacles il faut mettre? Combien de difficultés avant qu'il soit satisfait? Genre les dieux de Scum. N'êtes-vous pas assez divertis? C'est incroyable. Mais tu crois que c'est quelqu'un d'assez méchant pour avoir juste placé bah, genre une mine antipersonnelle ici. Ça tient à pas grand chose d'être un fils de pute. Hein. Une mine par-ci, une mine par-là. C'est bon, fils de pute. C'est bon. C'est bon. C'est bon. T'es mort comment? J'ai pris une balle en pleine tête de la part du robot. Je retourne chercher mon corps. Tu peux te suicider en boucle pour respawn plus vite. Pour te respawn plus près. Bah je vais pas respawn en B2. Ah marrant, je viens juste de tomber en face d'un zombie mine. Il va m'exploser à la gueule là. Mais attends, t'as respawn en B2? Ouais. Par hasard? Non, secteur. Tu mets secteur et tu... Ouais mais si t'as plus de points. Mais ça coûte 0 points en fait sur ce serveur. Ok, donc je peux me suicider comment? Échappe, suicide. Non mais là en plus, le jeu m'a pas laissé le choix de mourir, je me suis vraiment pris une balle pleine tête. Ouais. Putain, pourquoi ils font ça? Pourquoi ils font ça? C'est bizarre de faire ça. Et si les gens veulent prendre du plaisir à jouer, comment ils font? Putain. Trop dommage. Il est bien le jeu. Tu as l'air moins amusé de ton harmonica là. Vas-y, enculé. Je m'amusais quoi, j'étais bien. Parfois on a ce qu'on mérite. Mais va te faire foutre toi. Ouais, attends. Oh. On mérite pas. Hein. Non mais ça va, vous... Non mais j'ai respawn en bas à gauche. C'est bon. Je vais manger un biscuit chocolaté, ça va me détendre. En fait, dès que tu rentres dans un bâtiment militaire, faut checker s'il y a une mine, quoi. Mais c'est un joueur ou pas? Comment? C'est un joueur qui l'a posé ou pas? Je pense pas.
C'est comme les bunkers. Genre c'est le jeu. Je pense. Mais t'avais quoi comme indice? Ça a fait bip bip? Ah non. Non, j'ai ouvert la porte et j'ai foncé à l'intérieur quoi. Elle était derrière la porte. Mais ce qui était vraiment trop drôle, c'est que moi du coup je suis passé par la fenêtre. J'ai choisi de pas creuser. Joueur 100%, sérieux? Ouais, donc c'est juste de la méchanceté. Le mec n'avait rien à protéger ici. C'est la mine de Terra. C'est vrai qu'il a ramassé une mine. Comment tu sais que j'ai ramassé une mine? À un moment, t'as parlé de mine. Non, je l'ai jamais évoqué. Olivier Mine. C'est pas parce que tu fais un jeu de mots que tu vas réussir à mentir. C'est Terra. Non, là vous essayez juste de... Quoique... Non, il est pas allé dans ce bâtiment. Non, attends, c'est même pas ça que t'essaies de dire. Tu te dis que ça veut dire que c'est possible que je le fasse? Moralement, c'est oui. Possible parce que j'aurais pas vu. Techniquement, non. Alors attendez, il faut environ 1 minute 30 pour y aller. Terra était absent pendant 2 minutes. Tu te serais régalé de la mettre là, putain. Et t'aurais dit, vas-y, toi tu vas par la porte et moi je vais vers la fenêtre. Mais tu sais quoi, vu que t'es une salope, bah à un moment donné, il va me mettre plus dans mon inventaire et bah pourra pas me demander où elle est. Mets la mine sur mon cadavre. Attends, moi je suis derrière toi. Quoi? Non, en fait, je suis un point de côté. On est pas loin, on est juste là. Hein. Là, je te vois, ton pseudo bouge très vite. Ouais, mais t'es là en fait. Bah, je vais chercher mon corps quoi. Mais non, mais c'est pas du bon côté là. Tu vas où? Bah, je vais à la piste. Bang, depuis tout à l'heure, j'allais de ce côté-ci en pensant aller vers la piste. Le côté opposé. Ah, merde. Dur. Je t'avais pas croisé. Je t'ai marché pendant 20 minutes. Dur de part de boussole. Ah non, c'est bon, c'est juste toi qui es trop con. Mais non. Mais si. Mais qu'est-ce qu'il me veut, lui? Mais je te vois que t'es trop con. Mais, qui ira bien à la piste tira le dernier. Mais j'ai fait le même chemin de tout à l'heure. Putain, tu vois? Finalement, j'ai voulu me sous-estimer, j'aurais pas dû. J'aurais même pas dû te le dire, tiens. Attends, mais à quel moment je me suis retourné? Non, mais attends. Ah si, il y a la montagne par là-bas. Bah ouais, l'imbécile. Mais attends, mais j'ai fait quel chemin? C'est quoi ce bordel? C'est pas possible. Regardez-moi ce con, là. Quoi? Qu'est-ce que j'ai foutu? Merde. Pourquoi quand on a commencé à jouer à Scum, on arrivait tout le temps à faire des bunkers? Parce qu'à l'époque, les bunkers, il suffisait juste d'arriver à rentrer. Et ensuite, il y avait rien. C'est vrai. Et les robots, ils étaient un peu... Tu vois, ça allait. Tu pouvais courir, t'arrivais à les esquiver. En fait, le jeu était bien au début. Et je pense que, comme d'habitude, les joueurs ont passé des centaines d'heures de jeu dessus. On fait des retours aux devs comme quoi c'était trop simple, ou un truc comme ça. Et du coup, ils se sont dit, ok, on va augmenter la difficulté pour ceux qui ont joué 10 000 heures. Et les casus se sont retrouvés baisés. Je pense que c'est vraiment ce qui arrive à tous les jeux comme ça, parce que Days, c'était comme ça. Sur toi que ça tire, là? Peut-être, on sait pas. Hein. Parfois, la vie nous réserve des surprises. Bah alors? On a des mésaventures. Ouah! Il y a une fenêtre! Il est mort. Là, il est mort, je le sais. Enfile-moi, Scum.
Prends-moi. Violemment. Bah tu sais quoi, j'ai du bonheur dans ma malchance. Dis-moi que je suis une merde. Je suis atterri à l'airfield. Fatal error. Scum crashed. Encule-moi Scum. Encule-moi. Encule-moi. Tire-moi par les cheveux. Crache-moi, tu étrangles-moi, j'en ai rien à foutre. Non mais sérieusement, je réapparais à l'airfield et il me fait crash. Putain. C'est abusé en vrai. Non mais vas-y, c'est bon, genre... Je veux pas relancer le jeu. C'est bon, continue. C'est comme moi dans les cheveux. Je récupère mon corps. Et je suis mort deux fois, j'espère que mon premier corps n'est pas disparu. Je crois pas que ça fasse ça. Je crois pas, mec. Mais j'aimerais jouer là, c'est bon. Je... Oh. Eh oh, du bateau. Ah ouais, c'était bizarre le jeu, j'ai amené mon plein écran. Le jeu d'enculé. Ah, pour le coup, c'est vraiment un jeu d'enculé. Hein. On a ton corps là ? Ouais. Mesquine. Mesquine. Non mais il va me voir le robot. À tous les coups. Ah non. Pas ça. Hein. Je sais pas, non, ça va, c'est loin. Quoique. On est vraiment les deux grosses salopes du jeu, hein. C'est un truc de ouf. Enfin, je suis sûr que les autres joueurs sur le serveur, là, ça se passe bien pour eux. Je pense qu'on est les seuls joueurs du monde à avoir une mauvaise expérience sur Scum. Non, ça par contre j'en doute. Chaque fois que j'allume la radio, je sais que la VOD elle sera cut et ça me fait chier. Ça me saoule. Chaque fois j'ai envie de l'allumer parce que ça me fait rire et après je me dis putain, t'es une merde. Et peut-être que le son est libre de droit. Mais ça m'étonnerait qu'ils soient assez malins pour faire ça, t'as vu comment ils règlent leur robot. Oui. C'est des débiles. Jamais ils auront pensé au fait que les streamers peuvent pas allumer la radio. On les emmerde. Ils ont peut-être pas envie que leur jeu soit streamé. On les emmerde. Non mais là c'est un miracle si j'esquive tout là. Non je peux pas. Il va faire demi-tour là. Il avance. Non mais c'est con, je suis devant les bunkers là, je devrais m'y arrêter techniquement. Y'a un zombie qui dort. C'est tout là-bas. Oh. Ah. Je vois qu'on... J'étais à la machine à café. Tranquillou. Quand tout à coup y'a un mec qui arrive et qui me tire dessus. Un gros robot. C'est bon, casse-toi, force pas, enculé. De grosse merde. Bon, j'ai plus peur dans le jeu, c'est vraiment les... Non. Les fenêtres. C'est ma plus grande crainte. Bah ouais, clairement, ça...
C'est le pire truc, hein. Ah. Tu sens que je vais mourir dans pas longtemps? Ah. Tu le sens? Si tu restes caché et que tu bouges pas, c'est bon. Je sais que je vais mourir dans pas longtemps, c'est ça qui me fait marrer, putain. Je marre. Je me marre. C'est qui ça? C'est moi ça. Ça c'est moi. Ça c'est moi. Avec leur voix de merde là. Ça c'est moi. Grosse merde. Ça c'est moi. Ça c'est encore moi. Attention, tu commences à jouer avec le feu, j'ai l'impression. C'est où je dois aller? C'est là, c'est là. Je suis ici. Attends, c'est bon. Oh là. Oh là, oh là, oh là. Alors non. Alors faut pas qu'il vienne. Enfin, s'il vient et qu'il part, c'est bon. Il y a un masque là. Oh, j'ai mis un masque. Pour le corona. C'est un easter egg? Probablement. Alors. C'est bien, continue, il va utiliser toutes ses munitions. Je crois qu'il a encore des balles là. Ça, c'était pas du tout excessif comme réaction, hein. Vraiment tout va bien. Non mais là je vais faire comment pour récupérer mon corps? Vous voyez le chat, le fait que j'ai bu 10 sodas, ça ne monte pas mon truc de soif. Hein. Non, vraiment, le jeu n'est pas cassé, hein. Y a aucun problème avec le jeu. Vous êtes de mauvaise foi si vous trouvez que le jeu est cassé, là. C'est pas sur moi, ça, encore. Vous avez combien de munitions, pour info, hein? Ah, ce serait bien qu'ils aient, genre, plus de balles. Oui, voilà. Parce un truc dingue, genre, qu'ils se soient limités. Genre, oh, ce serait quasi normal en fait. Ce serait insane. Ah, tu vois? Des onion rings. Ah non, c'est des onion rings. C'est vrai que ça se mange tout seul, ça. Pitié, je veux juste chercher mon stuff. Je demande pas la lune. Il vient vers où là? Tu viens vers où? Nerveusement, on est à bout. C'est ici que je dois aller. Je vais récupérer mon stuff, que tu le veuilles ou non, petite merde. Tu vas venir vers moi là? Il vient vers moi. Il vient vers moi trop. 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 Tu te rends compte de la situation dans laquelle je suis là? Non mais t'en tournes pas compte. Pas se barrer là? Tu l'as bloqué? Fais juste continuer à jouer la musique? Non! Attends, mais là. Si je joue assez mal, il va vouloir me tirer dessus. C'est bon, on y va. Agaga. Agaga. Attends. Agaga. Ah, c'est bon, on peut pas me tirer dessus. J'ai tout mon stuff. C'est bon. Je
Je suis un robot et je tire à travers les murs. Trop marrant. C'est bon. Où est-ce que t'es? T'es à l'étage, toi? Ouais, je suis dans ce bâtiment de merde, là. Pff, putain. On peut plus, tu sais. C'est là qu'il y avait une mine antipersonnelle, ouais, tu m'étonnes. Non, non, non! Qu'est-ce que... Putain. Et toc, toc, toc. Et toc, toc, toc. Paf, paf, bam, 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 bam. Tu sais quoi, je vais utiliser mon fusil à pompe dès que je vois un truc hostile, j'en ai rien à foutre, c'est bon maintenant, il est temps de se défouler. Je vois un robot, paf, je tire. Permettez monter par où? Par les escaliers. Oh, mamma mia. Mamma mia. C'est où que les escaliers ici? C'est toi ça? Tout va bien. Vous inquiétez pas. Mais qu'est-ce que tu fous en haut? Pas de soucis. Oh, putain, mais pas de soucis. Mais je veux juste m'en aller. Tout va bien. Aucun problème sur ce jeu. Je vais descendre. Mais il tire à travers les portes, c'est ça le problème. Il tire à travers les portes qui sont fermées. En plus, la guitare est super fort. I did it for the West Coast. Bon, j'ai soif, il se fout de ma gueule, j'ai soif. J'ai bu 45 000 sodas de merde. Il me fait penser à boire. Salope de putain de jeu. J'essaie toujours pas où t'es, hein. Ah, t'es là-haut. Ok, je cours. Il est rouge, le mec, là. T'es un ouf malade, là. Je trouve pas les escaliers. Escalier. Y'a des fenêtres partout. À terre. Salut. Y'a rien à craindre, là. Oh, non, sois pas si sûr. Reste à terre. Je suis une larve. Je descends. Oh, à terre quand tu descends. Je veux même plus looter. Je veux tout, plus looter. Je veux m'en aller. Tout doux. À terre. T'es déjà à terre. Arrière. Il sait où on est. Je vais sauter par la fenêtre et m'enfuir. Bon courage pour ça. Fais gaffe, il vient très près des fenêtres ici. J'en ai rien à foutre, mec. Rien à foutre, man. I am who I am. Ok. Je vais le faire. Je vais le faire pour le hip-hop. Vas-y, fais-le. Sale fils de pute. Aïe. Vite, un bandage, un bandage. Ça s'est pas bien passé finalement ton idée. J'ai 11, j'ai 11%. Hein? Et toi? Ça va? On voit les impacts au-dessus de toi. Ça va! Oh la vache, les impacts sont près de toi, mec, hein. Y'en a un qui était au sol là. Ça va! Tout va bien. Et on mange, on se redonne des forces tranquillement. Non! Mec, j'en peux plus! J'en peux plus! J'ai voulu sortir. J'ai voulu sortir vivant! J'ai voulu sortir mon harmonica pour troller et le perso il s'est levé d'un coup! Laissez-moi vous interpréter un petit morceau d'harmonica avant que vous me tiriez dessus. Ah, les salopes.
T'as pas un ouvre-boîte s'il te plaît? Ah non, j'ai pas ça, j'ai un tournevis. Bon, ça marche un tournevis. Tiens, regarde. C'est vrai? Bah, techniquement, oui. Ça marche pas. Reprends-le, tonton de merde. Oh. Ouais, tiens, t'en veux. De quoi? J'en détache. Bon, bah, j'en bois alors. Bon. Attends, on se le fait, vas-y. J'en bois un coup. Hop, une petite lichette. Allez, hop, voilà, ça fait pas de mal. En ces temps difficiles. Pff, non, mais j'en ai bien besoin en ce moment. C'est avec ma femme qui me gonfle. Les robots et ma femme. Non, c'est pas marrant. Eh, hey, on peut avoir un peu d'intimité là? Non, mais c'est un truc de ouf. Y'a qui ici? C'est qui? On vous a dit, on est pas intéressé. Non, mais faut qu'on se barre. Ah oui, faut qu'on se barre, oui. Eh, c'est quoi ça? Tu l'as vu? Fais gaffe ici, ici. Non, non, je vais looter ici. Fais gaffe. Non, 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 y'a une fenêtre derrière toi. C'est là que je me suis fait tuer deux fois. Là? On se barre par là. Ouais, si on peut. Tu fais quoi là? C'est quoi son pattern? Ouh! Tiens, un cadavre. C'est moi. Ok, le robot se barre par là. Je le tente. Ok, je te suis. J'ai une aveugle confiance en toi. Ok, par là, tu vas où? On va où? Mais on se barre. Ah, vite! Slalom! Cours pour ta vie! Ne les écoute pas! J'ai 13%. Tu es libre. Une balle et je meurs. Tu es libre. Non, non. Non, jamais. Non, non. Ils t'auront jamais. Je m'allonge. Je recours. Là, c'est Scum. Du coup, il y a une voiture qui va passer à fond et nous écraser. Attends, caillou. Voilà, je pense qu'on... On a fait... Bah c'est une belle aventure, je pense qu'on pourra la continuer. Voilà, on peut se laisser là et puis reprendre une autre fois ce bel endroit. Voilà. Non mais on se dit que c'est bon là. On a fait une bonne... Tiens, oublie pas de porter ton masque quand même. Ah, merci. Ah, voilà. Bon j'en ai plus du coup. Tiens, je te redonne un nouveau masque. Ah merci, ouais. Merci bien. Voilà. Ouais, je pense qu'on peut être content déjà d'être vivant. Ouais, là, c'était une très belle session, là. C'est là, déjà énorme, je pense qu'on peut être fier de nous, vraiment. Et le chat peut être fier de nous, on a accompli quelque chose, là. Ouais. Ou trop. T'inquiète. Oh mon dieu, je m'attendais pas à une chanson comme ça. Attends, y'a peut-être une... Attends. Quoi, y'a pas une émote de... Ah merde, c'est pas ça. Non, ça fait les robots là. Je voulais danser. Ah ouais, y'a pas à danser là. On est pas sur Fortnite. Pas dans. C'est... Bon, bah, s'il n'y a pas dansé. Allez, ça sort. Ah, c'est sorti. Il y a de la liqueur. Oh putain, je m'en suis fait un petit liqueur là avec un chargeur. Mais te mets pas debout pour te torcher le cul, malheureux! Ah, mais il a pas chié, le con! Je veux savoir ce qu'il y a dans ton chien. Alors, qu'est-ce qui va sortir? Attendez, hein. Ah, il se secoue, ah, mais il se secoue pour que ça tombe. Et c'est ben, vraiment... tu nous as répondu un petit 1911 chargeur. Un autre chargeur, c'est tout luxe, hein. Tout compris, toute option. J'aurais bien aimé chier de la bouffe.
Bon, faudra qu'on trouve un ouvre boîte et j'aurai de la faim. Bon, bah, ce sera pour voilà. Un passant, voilà, le pistolet. Eh, les robots, avant que je parte. Oh putain. En vrai, je suis sûr que t'as failli mourir, genre. C'est vraiment risqué. Le ghetto n'aura pas. Les petits connards. Oh là. Eh, il arrive là. Il fait quoi là? Non, c'est que du bluff à chaque fois. Il a son laser sur moi. Je croyais que t'étais mort parce que tu t'es allongé au. Non. Il a envie de venir. Je te repose mon déco maintenant. Ouais. Ouais, go déco. Quitter le jeu. Quitte game. Voilà. Et ben, une très bonne session de Scream. Ouais. Pas plus difficile que d'habitude. Tranquille. Tranquille, tranquille. J'espère que l'aventure qui viendra vous plaira aussi. Elle ne ressemblera pas du tout à celle-ci. Impossible. Non, mission voiture pour le prochain live. Allez, ouais, on se fait un truc tranquille. Mission garage. Mission voiture et on se tape des drops en passant pour avoir des grosses armes là. Et puis ce sera que du fun. Petit garage. Allez, bonne nuit. Bisous les enfants. Au revoir. Salut.